Hey, what's up, Yellow Sea Podcast, baby? Life's a lovely day. It's a lovely day to have a lovely day. What's up, beautiful people? On est ici, Yellow Sea Podcast, Alec the Kid. On est ici en Hennessy, Alex y Tacos. Bye, aye, Alex y Tacos. On a des belles femmes devant nous. Je donne un shout-out à New Age Spa qui vient de s'installer ici. Un autre shout-out à Sam, Mr. Editor, on the test, on the mic cette fois-ci. On a good vision, on the setup too, in the back. Alec the Kid. Alec the Kid. Oh yeah, Alec the Kid, baby, on est ici. On a même Marie-Soleil qui va prendre des petites stories tantôt. Ooh, little Mia qui va nous faire, qui va nous donner vraiment un aperçu de nos social media. Cheers. It's a lovely day to have a lovely day, baby. It's alright, but thanks, man. Hey. What up, guys? Comment ça va? En forme ou en forme? Yo, il y a des écouteurs. Des écouteurs. Mets les écouteurs, tu vas nous entendre mieux. Yep. On va chercher le premier invité? Ouais, ben regarde, on fait un petit intro. On fait un petit intro, on prend un petit verre entre nous. On est où? On fait quoi? En ce moment, on est à Laval. On est au Parc du Sablon pour l'événement Geek Event. Vous avez vu dernièrement, Alex Kinnell est venu nous présenter vraiment qu'est-ce qu'il faisait. Un événement. Fait qu'on se retrouve maintenant à l'événement présenté par Geek Event. Comment tu sais aussi, c'était la fête. Moi, j'ai compris, c'était la fête de Anne. C'est la fête à Anne Lovely. On va lui donner un joyeux anniversaire. On va pas lui demander elle a quel âge. Tu demandes jamais à une femme elle a quel âge. Règle numéro un, guys. Demandez pas à quel âge a une femme. Fait qu'on voit en ce moment qu'est-ce qui se passe. Vous voyez le vibe en ce moment. Moi, je vois des burgers là-bas, mon gars. Des burgers. Bon, la bouffe. Il en faut ici de la bouffe. Amenez la bouffe ici. Aujourd'hui, les sponsors de cet événement-là, il y a NSI, Lovely, Gold Series, Giovanni Saint-Fleurant, qui est un courtier immobilier, je crois. Ouais. Je pense qu'il est là. Chef Oui Chef. On a Geek, justement. Ah, ça, c'est Chef Oui Chef. Chef Oui Chef est là. Chef Oui Chef. Boutique, chef, oui, espace chef. Urbain, atypique, double shot, Dieu, ça a l'air beau, DJ là. Juste là. Mais, on a New Age Spa aussi. Keiva, peut-être que je me trompe. DDMJ, Communication, MNM, MNU, something like that. Oh yes. Dance First, Yellow Seed Podcast, check my Hello service. Fresh. A1, Dieu, thank you. Service Good Chef. Vision. Oui, chef. Yes, sir! Il y en a d'autres. Check, un photographe check. Aussi. Chef Oui Chef. M.L., oh, bon. Je crois. Est-ce que c'est ça, M.L.? Je pense que c'est lui. Yeah. Pas. Max Vision, Sophia. Oh! Food! Hey, Alec. Je voudrais rectifier. Je pense que ce serait une bonne idée peut-être de plugger là. À vous! Si on fait un vibe de commentateur, on pourrait se brancher là. Ce serait fou, puis j'ai déjà comme le oui un peu. Si on le fait de cette façon, je suis down. Fait, hey, regarde, en ce moment, on est en train de développer quelque chose de nouveau. On est comme des UFC commentators d'un event. Je vais aller chercher peut-être la première invitée bientôt, mais là, ouais, faut que je mange mon burger. Déguster ça, oui. Chef, oui, chef, en ce moment, je mange une brochette au poulet. On a ici des pois chiches dans un mélange. Ça a l'air bon. Puis, yo! Qu'est-ce qui se passe, Good Vision? On est là! Good Vision est ici. Good Vision, il travaille en ce moment. En tout cas, c'est très savoureux, c'est bon. Là, présent. Oh yeah! Big shout out, Good Vision. Pour tous les événements corporatifs, événements fondation, Good Vision est là. Je suis là. Venez me voir. J'ai pas beaucoup de place. Faut dépêchez-vous. Venez, Good Vision. Check-moi un vendeur, bro. Pas beaucoup de place, hein? Pour booker live. Yo, booké jusqu'en septembre, fait que j'ai des places en août. Puis comment ça va? Ouais, moi, je mange, bro. Yo, c'est le premier podcast qu'on fait comme ça, là. Je vais continuer à te déranger, mais ça va être bon, là. C'est bon, bon. Yo, normalement, c'est un bon event. Je suis content d'être ici. Comme vous pouvez voir, une des thématiques de l'event, c'est que tout le monde doit avoir un morceau de vêtement sur eux avec une thématique africaine. Africaine. Yo, à part voir, ça, là, le monde ne voit pas, mais toute l'équipe. Et habillé en africain aujourd'hui là. Tout le monde est en africain. Tout le monde va faire le tour ici après là. Vous allez voir. Back à back. So, moi je veux savoir là, Ray. Faut que tu nommes nos sponsors qui grâce à eux on est ici live avec des nouveaux écouteurs. Ouais. Hey guys, je vais donner un shout out ici. Il y a une couple d'organisations de collaborateurs qu'on a, des entreprises locales qui nous supportent, qui ont vu qu'est-ce qu'on fait, puis ils nous encouragent à aller encore plus loin et à continuer à développer qu'est-ce qu'on fait. On veut commencer à donner un gros shout-out à Distillerie de Montréal.
les boissons, les spiritueux Rosemont. Il y a une vaste de boissons que vous allez trouver à la SAC. Dernièrement, je vous conseille d'aller suivre les mini-clips. On a des recettes qui s'en viennent de toutes sortes, vraiment avec toutes les boissons de chez Rosemont. Donc, Distillerie de Montréal, un fier partenaire de Yellow Sea Podcast. Qui d'autre on a sur la liste? On a New Age Spa. New Age Spa, baby. Nouveau. Vous avez vu le podcast dernièrement? Ils ont embarqué. Oh, ouais. New Age Spa sont in. Thank you, New Age, pour le support. Vous avez vu le podcast, il y a deux épisodes derrière avec Madonna qui a donné un facial pour rhum. Il était en point, puis je sens que ma peau est encore lisse du dernier traitement qu'on a eu. Puis en plus, on a Soutoubli. Soutoubli, baby. Soutoubli, baby, qui nous fait un gros sponsor. Merci encore. Et t'as la compagnie comptable que j'ai vue là. Ouais. Parce que, regarde, on est allé chercher un cabinet de comptable pour la seule raison que quand je me suis lancé en affaires, une des choses les plus dures, les plus compliquées d'un nouveau entrepreneur, d'un travailleur autonome, c'est la comptabilité. C'est pas tout le monde qui est calé dans les chiffres. Puis quand tu te lances en entrepreneuriat, t'es pas nécessairement... Ouais. C'est pas le genre des chiffres ou de la comptabilité que tu veux faire nécessairement. Fait qu'on est allé chercher un partenaire... Une firme comptable, Propulsion Stratégique, qui viennent ici nous donner des conseils comment on peut aider les entrepreneurs, les travailleurs autonomes à se démarquer, à vraiment prendre les bonnes décisions dans leur cheminement entrepreneurial. Donc, beau shout-out à Propulsion Stratégique. Encore une fois, Distillerie de Montréal, Soutoubli, Propulsion Stratégique et New Age Spa, baby! Hey, what's up? Hey, what up? Tu peux amener le microphone deux. Attends, on va le mettre comme après ça. Deux poignées de distance de la bouche. Ouais, là, ça a l'air parfait. Okay. Mais t'as l'air habitué, tu connais ça? Ben oui, je suis habitué. Je suis même pas pour ben, voir ça. Il est encore ben, plus yeah. habitué que moi parce qu'il fait de la radio tous les matins. Ah. Hey, Tim, ben oui. Tu fais de la radio. Est-ce que vous entendez? On entend très bien. Ça marche super bien. Ça marche bien. Bravo pour votre hey, what's up, man? Hey, what bravo up? À vous. Puis, ça fait plaisir. Bonne fête. Merci. Anne. J'oublie toujours que c'est l'événement. C'est pour la fête d'Anne Lovely. Exactement. Écoute, Anne Lovely, elle est blessed. C'est la deuxième année. Il fait toujours beau et chaud. Je pense que c'est parce que secrètement, ils savent en haut qu'elle ne tolérerait pas une autre température. Exactement. Que celle-là. Non, elle a envoyé un message et dit « Hey, s'il te plaît, ça c'est mon week-end. Make on a un événement, on a une centaine de personnes qui s'en vient, un Africain thématique africaine. Puis, tu sais, regardez, s'il vous plaît. Mais non, mais je dirais que Dieu connaît mes intentions. Ben, fait qu'il bon. Sait que je vais redonner à la voilà. communauté. Fait qu'il se dit, ben, j'ai pas le choix de donner un beau bien soleil dit. À Anne Lovely. That's it. T'es une bonne âme. Étienne Boulay. Salut. On se connaît, mais tu me connais pas encore. Rinaldo Mendoza, Ray, Yellow Seed Podcast. Puis merci d'être venu au Yellow Seed. Ben, merci de l'invitation. Ouais, ça c'est super setup, faire ce live. C'est quelque chose. De travail derrière mais tu sais quoi? C'est la première fois qu'on fait ce setup de ce genre. Puis la dynamique que je vois, comme je suis en train de dire à tout le monde, hey, on est comme les UFC commentators. Tellement! Tellement! Il faudrait juste nous brancher au speaker, genre au DJ, comme ça, ils peuvent nous entendre, interagir avec nous, voir comment ça se passe. Étienne, toi, tu es partenaire commanditaire de l'événement Atypique ouais. avec ton produit Atypique. Oui. Ben, c'est Anne Lovely puis Alex de Geek qui m'ont contacté, m'ont dit ça te tend dessus. Moi, j'ai une équipe derrière ça, puis je valide. Puis présentement, on reçoit beaucoup de demandes, puis on essaie de s'impliquer dans le sport, dans tout ce qui est inclusion, dans tout ce qui. En fait, ce qui parle de. Ça part de mes valeurs à moi, ouais. de celles de mon partenaire. Puis tout le monde a sauté sur l'occasion. Ils connaissaient Anne Lovely, des grands fans d'Anne Lovely, fait qu'ils ont fait on embarque. Puis je suis vraiment content. Ça a été. Écoute, vous avez même mis la sangria, hey, qui est une denrée rare ces temps-ci, comme cocktail d'entrée. Oui. Mais ça allait de soi. Puis, tu sais, c'est la deuxième année que je participe à l'événement Anne Lovely. Tu sais, on se connaît un petit peu personnellement, professionnellement aussi. Puis, je sais que ses intentions sont pures. Tu sais, il y a deux belles fondations auxquelles tu donnes. C'est toi qui es le mieux oui. placé que moi pour les expliquer. Bien, on donne à Audace au Féminin, qui est un organisme Audace, qui aide ouais. les femmes noires à se partir en entreprise. Donc, les femmes entrepreneurs qui ne savent pas trop où commencer, où avoir les fonds. Fait qu'Audace au Féminin, c'est René Pardoretiro. Qui est aussi humoriste. Et je trouve que c'était l'occasion vraiment de leur redonner. Et aussi Hoodstock. Hoodstock qu'on voit souvent. Ça, dans j'ai les vu médias. Dernièrement des. Ben oui, Will Prosper, qui est en arrière de ça, qui est un administrateur, qui est un activiste très connu à Montréal et qui veut redonner à la jeunesse, espoir à la jeunesse black surtout. Ouais. Donc, Hoodstock et Audace au Féminin, pour moi, c'est très important. Et je veux juste te dire, Étienne, un gros merci.
Parce que Atypique, quand j'ai vu ça sortir, moi, en tout cas, j'ai eu la chance de goûter avant tout le monde les produits. Parce que, bon, faut avoir des avantages quand on est journaliste. C'est sûr, c'est sûr. Puis j'ai tout de suite texté Étienne sur Instagram. Je me souviens, puis je disais, Étienne, voyons, c'est bien bon, ça. On est bien, on a travaillé fort, puis on est super fiers de ce qu'on fait. Puis nous autres aussi, on a, je pense, les valeurs à la bonne place. Oui. Moi, ça part de mon histoire, évidemment, je suis sub depuis plus de 4 ans maintenant. Bravo, hein? Bravo. Félicitations. Mais on trouvait qu'il y avait une tendance à la... Tu sais, les gens ont diminué leur consommation d'alcool, que ce soit pour la santé, pour peut-être qu'il y a des gens qui ont des changements de tendance. La pandémie nous a fait réfléchir, je trouve. Mais le premier confinement, que les gens sont sortis du premier confinement en disant « Hey, tabarouette, je l'ai échappé. » Oui. Puis là, il va falloir que je... Écoute, on a tous pris un petit peu de... Oui, de... Moi, j'ai pris du poids, on a pris du bédaine. Fait qu'on est comme arrivé, je pense, au bon moment. Mais tu sais quoi? Moi, je les ai essayés, les atypiques, les trois, la sangria, le rum and coke et le gin tonic. Ouais. J'étais surpris. Tu goûtes à l'apéro spritz, c'est très bon. Celui-là, je n'ai pas essayé encore, mais ça va être mon prochain. Puis, quelque chose que je dois dire, que moi, j'ai beaucoup commencé à m'intéresser sur les alcools à 0 %. Ouais. Ma femme est tombée enceinte durant la pandémie. Fait qu'on a un COVID baby. Merci beaucoup. On a un COVID baby. Puis, fait qu'elle voulait continuer à participer, ouais, vraiment à notre verre parce qu'elle aimait. Elle pouvait pas, fait que genre, j'ai commencé à lui introduire à des alcools, la bière 0 %. Puis c'est là que je suis tombé, là je suis parti à la recherche de sont où tous les alcools 0 %. Puis c'est là que tu commences à voir, il y a des gros frigos. Au Québec, il y a beaucoup de vraiment variations, diversification dans ce domaine-là. Puis je trouve que toi, tu es allé innovateur parce que c'est toutes des bières 0 %, mais là, on voit les premiers comme mélange, les cocktails s'en viennent. Il y a beaucoup de bières, puis tu sais, quand on regardait le portrait, tu sais, il y a des grosses compagnies, des multinationales qui ont des bières. Tu sais, tu regardes, Molson, Labatt, Heineken, ils ont toutes des bières 0 %. Nous autres, on voulait aller du côté des prêts-à-boire parce qu'il n'y en avait pas. Tu sais, puis ce qui existait, c'était pas bon au goût. C'est pour ça qu'on veut aller plus loin. Il y en a des fois, il faut que tu boives ça, puis quelqu'un dit c'est du sans-alcool, puis tu fais comme, man, il faut que je me ferme les yeux, puis que je l'imagine, là, parce que je ne le goûte pas du tout. Puis nous autres, on a vraiment travaillé fort. Tu sais, moi, je suis pas du côté de la production, c'est Jonathan Robin puis sa gang à la distillerie. Bravo. Qui eux autres mettent des masters, efforts. Là. C'est des machines créatives de ce côté-là. Bien, je trouve que souvent, des fois, quand je buvais des trucs sans alcool, j'avais l'impression de boire un Mr. Freeze décongelé. Oui, parce que tu veux pas. Sucré. Exact. Tu sais, 225 calories dans un verre, tu fais comme même. J'en prends un, puis c'est passé. Je suis sur un sugar high après. Fait que... Mais avec Atypique, non, sérieux, c'est pas parce que je veux te pitcher les fleurs puis le pot avec, mais honnêtement, ça goûte bon, c'est pas trop sucré, ça tombe pas sur le cœur. C'est gentil, mais là, on parle de ton événement. Oui, là, oui, mais mais je voulais quand même te dire, parce que t'es un de nos partenaires, que je voulais dire un gros merci. Ben oui, puis l'événement, ça passe bien. Ça passe super bien, puis c'est bon d'avoir vraiment les personnes qui ont vraiment cette influence-là, qui poussent vraiment la diversité. Oui. Puis parmi les choses que tu as dit par rapport à me dire Audace puis Hoodstock, une des raisons pour qu'on a fondé le podcast à la base, c'est que, regarde, moi, je suis latino, je suis nicaraguayen, puis quand je suis venu ici, genre, j'ai remarqué qu'il y avait des barrières pour aller chercher certaines ressources, certaines connaissances. C'est où que je vais cogner aux portes pour aller chercher les ressources qui vont me permettre de lancer ma business? Oui. Puis je trouve que dans nos communautés, il manque d'éducation. Fait que je me disais, je veux lancer un podcast qui va parler d'éducation entrepreneuriale au Québec. Oui. C'est quoi les ressources? Parce que moi, j'ai tombé sur des opportunités que le gouvernement y offre des subventions. Des subventions. Mm. C'est important de le savoir, mais ce n'est pas des subventions qui sont criées à voix haute. Oui. Fait que les personnes ne savent pas qu'ils existent. Oui. Mais maintenant, si on a vraiment des voix ici, comme on est en train de faire en ce moment, on peut commencer à propager ce message-là. On peut aider d'autres personnes de nos communautés, puis toi, tu fais au féminin. Bien, moi, je te dirais qu'à la base, l'idée, c'est parti du fait que, tu sais, Étienne et moi, on s'est connus dans un cadre professionnel d'abord, parce qu'Étienne, j'étais partie l'interviewer. Je ne sais pas si tu te souviens, on était sur Saint-Laurent, puis je t'interviewais pour les coups de cœur de. Ouais. J'avais un article dans le Journal de Montréal qui s'appelait Les coups de cœur de. Puis après ça, je me suis rendu compte que, j'ai toutes les communautés, que ce soit haïtienne ou la communauté noire, qui me suit de près, mais j'ai aussi la chance d'avoir la communauté médiatique qui me connaît, qui est majoritairement blanche, puis on essaie de changer ça. On essaie de mettre plus d'inclusion là-dessus. Puis tu sais, tu peux et tu es une bougie d'allumage de ce côté-là. Puis si je peux me permettre juste une petite parenthèse, tu sais, la pandémie a été
rough à bien des niveaux. Oui. Tu sais, il y a eu beaucoup d'enjeux sociaux. Il y a évidemment le drame derrière George Floyd, tout le mouvement Black Lives Matter. Oui. Il y a eu, tu sais, présentement, on vit encore les féminicides. Puis on a revendiqué haut et fort qu'il faut que les choses changent. Puis là, je trouve qu'il y a un peu de temps qui a passé. Puis toi, avec ton podcast, toi, avec ton événement puis ton côté rassembleuse, le fait comme, OK, la prochaine étape, la prochaine phase, c'est de « let's own stuff ». Tu sais, comme, on va créer des trucs, on va redonner à notre monde. Puis, puis tu sais, je vous lève mon chapeau pour ça. Ah, t'es fin. Mais merci de t'inclure dans ce mouvement-là. Parce mais, qu'il faut mais des faut. Alliés. Mais c'est bon, parce que toi aussi, pareillement, t'as genre un followership qui te suit. Puis, admettons, t'es intégré ici avec, en ce moment, un événement comme ça, ça permet d'ouvrir comme, hey, il y a d'autres événements qui font vraiment qu'est-ce qu'on pourrait contribuer. Moi, je me trouve chanceux parce qu'en tant que comme blanc, j'ai grandi dans un quartier multiculturel. Tu sais, j'ai grandi dans le coin d'Antique, Montréal-Nord. Ouais, ouais. Italien, haïtien, il y avait Libanais, name it. Puis, on dirait que je trouve ça triste pour les gens qui n'ont pas. Ce que j'ai envie de dire des fois aux racistes, aux gens qui sont fermés dans leurs idées, c'est « Man, tu manques d'amis. » Parce que tu comprends pas à quel point, moi, c'est une richesse de me nourrir de la culture de quelqu'un d'autre, puis d'apprendre, puis de célébrer nos différences, tu sais, parce qu'il y a ça aussi. Puis, fait que je trouve ça important de m'impliquer à la mesure que je suis capable possible, de faire. Oui, en fait, il en faut des alliés comme toi, Étienne, puis moi, j'utilise ces contacts-là, des Étienne de ce monde, des Mitsu de ce monde, des Véronique Cloutier de ce monde qui ont ce following-là, puis de dire « Hey, c'est beau de se réunir. Moi, c'est comme tu dis, je suis là, puis je rassemble. Eh ouais. C'est ça mon but. » Et tu fais bien. T'es vraiment fin. Merci. T'sais, finalement, une dernière chose qu'on pourrait rajouter, quelque chose que vous avez mentionné, que je trouve que très important avec tout ce qui se passe dans ce développement, c'est bâtir un patrimoine dans lequel on va honte, une collectivité, t'sais, vraiment. Le plus qu'on se bâtit, qu'on devient plus indépendant entre nous, on peut commencer à créer notre propre fondation sans devoir dépendre à d'autres organisations, des corporations ou même des gouvernements. Ça fait boule de neige après. Exactement. Parce que ça prend les gens qui vont commencer ça, qui vont shiner. Puis tu sais, moi, j'ai jamais eu ce problème-là, mais tu sais, je m'en suis fait parler souvent. Je regardais la télé puis je pouvais m'identifier à ce que je voyais. Ben oui. Mais c'est pas le cas pour toutes les communautés. Tout le monde. Mais là, ça, c'est en train de changer. Oui. Puis dans quelques années, on va regarder en arrière et on va faire « Wow, on a fait du chemin, t'sais. » Mais puis en fait, ce que je voudrais rajouter à ce que tu as dit, c'est que oui, c'est fun. Moi, c'est parti de ma tête, hein, cette histoire-là. Puis après ça, Alexandre, il a dit « Hey, sérieux, j'embarque, nanana. » Mais faut savoir que il y a des partenaires importants dans le sens que il y a des gens qui voient ça et font comme « Ah, c'est vrai, Levi, t'as raison, on embarque avec toi. » Puis ça, c'est important, ce réveil-là, cette collectivité-là, je la trouve très, très importante. Comme NSI, là, il n'était pas obligé. Mm-hmm. Tu sais ce que je veux dire? Puis eux autres, maintenant, sont le partenaire officiel de la NBA. Parce qu'ils vont, tu sais, comme NSI, qu'ils soient là ou pas, ils vont en vendre pareil du NSI. Exactement. Fait que c'est vraiment, ça prouve qu'ils sont là pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons, tu sais. Puis même chose pour Atypique, même chose pour Pantene. Pantene, qui est une marque de cheveux qu'on connaît, on va à la pharmacie, on s'achète du Pantene. Qui ne connaît pas de Pantene dans la vie? Mais ils se sont dit, hey, sérieux, on veut inclure. Puis maintenant, il y a des produits pour les cheveux frisés, les cheveux afro. Ils se sont dit, hey, c'est quoi? On veut vous le montrer, que ta mission, elle est justifiable, on est là, tu sais. Fait que je trouve ça beau. Mais tiens, admettons, une dernière chose que je pourrais ajouter. On a un partenaire qui est partenaire du podcast. Oui. New Age Spa. Eux, ce qu'ils viennent de recevoir, dans le fond, c'est une machine laser qui va traiter les peaux, la mélanine plus foncée. Ouais. Parce que ce que j'ai appris, c'est que les lasers, regarde, les lasers sont comme racistes. On entend ben ça. Ça. Parce que c'est ça, pas ça, toutes les ça peaux ça là, qui peuvent traiter. Le poil, tu savais pas? Il y avait pas des les lasers pour les peaux foncées. Fait que nous, les femmes noires, on pouvait pas faire notre bikini. Impossible. Parce que ça nous brûlait. Là, maintenant, il y a des nouvelles machines. Enfin, on peut se faire exactement le bikini sans se faire brûler. Fait que New Age Spa, c'est bon? New Age Spa, ici, sont ici exactement pour promouvoir ça, que, hey, on a du changement. Ouais. Mais, hey, je vous remercie. Merci. Regarde, je ne prendrai pas plus de votre temps. Je sais que c'est super. Puis, je vous invite au podcast individuellement. Yeah! Ouh, la prochaine saison 2, ça va être du feu. Ben, bravo pour ton podcast. Hey, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bravo, merci beaucoup. Merci, Étienne. Merci, Anne. Merci. Bonne fête encore. Merci. Amuse-toi, c'est ta journée. Merci. Birthday girl. Oh, yeah. Salut, tu m'entends? Oui, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Super bien. Yo, moi, commencer par dire, check-moi des belles boucles d'oreilles, là. Ouais, moi, je vois Damn. Les Qu'est-ce bijoux. Qu'est-ce que tu vois dans mes boucles d'oreilles? Moi, ma copine est là-bas, puis je vais pas lui dire, mais toi, t'as la plus belle boucle d'oreille de tout. Tu reconnais la forme de mes boucles d'oreilles? Moi, ça fait passer à l'Afrique. On dirait le continuer. Attends. 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 Regarde bien. Oh, c'est une femme.
Ça, c'est les traits, ça, c'est la silhouette d'une tête. Ah, c'est intéressant. Oui, ça ressemble à la silhouette d'une femme parce que c'est la silhouette de la moitié de l'île d'Haïti. C'est Haïti. Ah, OK. Haïti, wow, Haïti. Ouais. Ah, la reine. Tu vois Haïti? For the queens. Hey, merci d'être venu. Yellow Sea Podcast, Rinaldo. Présente-toi. Mon nom est Kitty Antoine, Lady Special K. Je suis entre autres la propriétaire de la boutique Espace Urbain, nice, qui est sur la Plaza Saint-Hubert au coin de Beaubien. Et on est fiers partenaires de cette deuxième édition du Lovely Day. Yes, shout out à Espace Urbain. Trop merci cool. D'être ici. Explique-nous un peu comment s'est arrivée l'idée d'avoir Espace Urbain. Ah mon Dieu, c'est vraiment une histoire qui part de loin. Espace Urbain existe depuis plus de 6 ans, là, aujourd'hui. Puis à l'époque, j'ai jamais rêvé d'avoir une boutique. Je suis pas une fille Tu faisais quoi avant? Qui est dans le domaine de la mode. Moi, je suis en marketing. Okay. Je sors d'un bon poste de directrice marketing pour un compte national. J'ai aussi eu des entreprises en marketing, wow, en communication visuelle. Fait que c'est vraiment ça mon domaine. Je suis illustratrice, graphiste. Et il y a 6 ans, je quittais un excellent poste parce que je venais de fonder ma famille et j'avais, wow, je voyais plus mes enfants. Puis pour moi, c'est un projet sérieux, là, avoir une famille. Et quand on considère, ah ouais, que les 6-7 premières années... C'est culturel, il faut que la famille, ça passe, ouais, en premier. C'est super important. C'est pour ça qu'on fait tout ça. On peut pas élever des enfants par hasard. Il faut vraiment investir du temps. La présence est le plus beau cadeau. Et j'avais plus de temps, je mettais beaucoup trop d'énergie dans ma carrière. Et c'est-tu un commentaire externe ou c'est comme ça interne en disant comme... Complètement interne. C'était dans mon cœur que ça T'étais se passait. T'étais en train de te juger. Là. Je me jugeais pas. Auto-évaluation. Je faisais exactement une auto-évaluation. Et ça, c'est important de mon capital de bonheur qui était en chute libre. Tandis que mon capital bancaire était en pleine croissance. Fait qu'à un moment donné, il faut faire des choix. J'ai pris des décisions. Et je pense que c'est que tu es important à souligner, là, c'est faire la rétrospection. Là. Ouais. Aller vers le côté passion, comme tu sais quoi. Mes priorités, c'est la famille, mais aussi j'ai une passion. Parce que des fois... Est-ce que l'idée du linge était, admettons, la mode africaine, c'est-tu quelque chose que tu avais déjà en tête ou ça non, est tombé? Non, pas du tout. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Quand j'ai quitté justement ce poste-là, je cherchais quel besoin qu'il y a dans la communauté, de quelle façon que je peux être utile. Et à l'époque, j'étais directrice et puis chargée de projet, de grosses équipes de travail. Wow. Et j'étais maman, je cherchais des espaces coworking pour les parents en affaires. J'en ai pas trouvé. Donc, c'est ce que j'ai créé. Tu voulais répondre à un besoin. Exactement. Fait qu'il y a 6 ans, j'ai pris cet espace qui était l'ancienne boutique pour créer un espace de coworking pour les parents en affaires. Okay, tu l'as fait, ton oui, projet. Oui, c'était la vocation pendant 2 ans de l'espace de la première boutique. Et de fil en aiguille, les entrepreneurs qui venaient s'installer, collaborer avec moi, c'était également des parents en affaires qui souvent avaient des produits, des services à vendre. Et architecturalement parlant, la façon que l'espace était disposé, il y avait un pignon sur rue. Et de fil en aiguille, en 5 ans, on a réalisé qu'il y avait un réel besoin d'une adresse fixe pour pouvoir vendre nos produits et services d'inspiration afro-caribéen urbain. Le créneau était trop fort pour avoir que des pop-up shops. Il fallait une adresse fixe pour pouvoir construire, monter le créneau, créer un marché. Fait que disons que ça fait 6 ans que je fais une étude de marché pour faire monter ce créneau-là. Et l'espace est vraiment un espace hub pour accueillir d'autres entrepreneurs créatifs qui ont des services, des produits à vendre, à présenter. Fait que là, en ce moment, dans notre nouvelle adresse, parce qu'on a déménagé après la pandémie, nous, on a pris le risque, l'audace, d'agrandir. Wow. Exactement. That's it. Parce que... de personnes qui ont fait ça. Redonne la nouvelle adresse, comme pour les gens qui vont écouter. Ouais. C'est quoi la nouvelle adresse, c'est le 6529 Saint-Hubert. Moi, je me dis en partant que dans toute situation, il y a des cadeaux. Et dans les situations les plus tragiques, on peut trouver les plus beaux cadeaux. C'est vrai. Donc, j'ai vraiment profité de la baisse des loyers, de la reprise économique de la Plaza Saint-Hubert. Il faut être attentif aux bonnes nouvelles. Tu vois, oui, il faut être attentif des particularités qui viennent avec des circonstances comme celles qu'on vient de vivre. On n'est pas les seuls à avoir été pris à la gorge. Les propriétaires d'espaces commerciaux également. Fait que pour moi, c'était vraiment l'opportunité parfaite. Parce que les prix de loyer, il n'y a plus personne qui ose investir autant d'argent dans un local fixe. Voilà. Fait qu'on a quintuplé la surface.
Et aujourd'hui, on est plus de 73 partenaires, wow. Des entrepreneurs créatifs d'ici, de tout horizon, qui ont des produits, qui ont envie de vendre sous le créneau afro-caraïbéen urbain. Pourquoi je dis de tout horizon, c'est que tu n'as pas besoin d'être afro-descendant pour avoir envie faire partie de ce mouvement-là. Ici, on voit toute l'équipe de Yellow Petit Podcast, là, on est tous bien colorés sans être africains. Là. Exactement. Oui, c'est des belles couleurs à voir. Alors, c'est vraiment un projet rassembleur, ouais. Fédérateur et qu'on veut pérenne. Et puis moi, je vais aller un peu dans cette optique-là. On est au Canada. Il y a beaucoup de personnes qui lâchent tout, perdent un peu de leur culture et veulent retrouver cet amour-là. Tu vois? Moi, ma mère m'a toujours dit, la première année, je voulais rentrer. Hey. Tu vois? Je voulais rentrer. Mais le fait qu'elle a trouvé d'autres personnes qui vivaient la même histoire, là, elle a retrouvé cette culture-là, elle s'est installée ici, elle était heureuse après, mais ça a été grâce qu'elle a retrouvé cette culture ici. Tu vois? La nourriture, les restaurants, d'autres personnes qui parlent la langue, d'autres personnes qui s'habillent comme elle. Donc moi, je trouve que c'est très important au Canada d'avoir des espaces comme ça pour les nouveaux arrivés et les gens qui sont déjà là, ils peuvent partager leur histoire. Moi, je trouve que c'est magnifique. Bien, moi, je pense que le vivre ensemble puis aussi affirmer son identité québécoise passe par célébrer d'où on vient pour pouvoir bien se déposer ici puis accueillir toute la richesse de cette nouveauté-là. Moi, je crois pas qu'il faut s'assimiler. Il faut plutôt se mettre ensemble et célébrer qui on est et créer une nouvelle identité québécoise et canadienne. Il faut se manifester. Et occuper l'espace. Ça vient vraiment de chacun d'entre nous. C'est toi qui décides quelle est ton identité. Et puis, à travers les vêtements, j'aime bien le concept du sapeur. La sapologie! Tu vois, pas besoin d'être riche pour bien s'habiller. Hein? Ah, puis je vous regarde, les gars, vous êtes tellement beaux avec vos choix de coloris. La thématique, elle est géniale. Avouez, c'est vraiment des couleurs qui font vibrer notre ADN. Ouais, c'est une autre façon. Moi, je souris juste en le voyant. Ça sort du noir et blanc, là. Lui et sa copine, en plus, ils ont match. On là. Moi, je suis jaloux, là. Mais ça permet aussi d'être audacieux sur les matières, les couleurs, les textures, mais même aussi les tenues, l'architecture des tenues, je veux dire, le design des tenues plutôt, c'est complètement différent, intéressant et ludique. On se regarde tous, là, c'est une parade de mode aujourd'hui. Non, honnêtement, là, ça, j'aime ça, il y a beaucoup de diversité. Tu sais, c'est comme si nous qui sommes en train d'écrire la diversité, puis c'est la même chose encore ici, d'amener plus de diversité à un podcast, donner des plus, voix du plus, monde. Plus, on peut encourager tout ça. C'est quoi les prochaines étapes? Espace urbain, ben moi je vous invite à aller voir notre boutique en ligne. Si vous n'êtes pas directement de Montréal, n'hésitez pas à suivre votre curiosité. L'adresse est boutique-espace-urbain.com. Parfait. Et on a une forte mission sociale. On ne fait pas que vendre des vêtements ou des objets ou des produits. On a également une forte mission sociale, c'est de vraiment encourager les gens de prendre des risques dans la vie, explorer des terrains inconnus, faire les choses différemment. Il y a plein de chemins à emprunter pour arriver où ce qu'on veut arriver. Puis j'ai vraiment envie d'inspirer par ce que je fais, par ma propre audace. Parce que comme j'ai dit d'entrée de jeu, je suis entre autres propriétaire de la boutique. Je suis aussi artiste visuelle, animatrice. Fait que tu sais qu'est-ce que tu fais, là? Puis c'est je suis aussi directrice au BNL. Fait que moi je carbure dans la vie à 100 000 à l'heure. Moi, ce que j'entends quand tu dis ça, c'est... Regardez-moi, je suis pas plus spécial que personne d'autre. J'ai été dans le mode travail, mais j'ai choisi la liberté et j'ai choisi de donner. Exactement, j'ai choisi la liberté. Exact. La liberté de disposer de mon talent et de mon temps selon mes conditions. Yeah. Puis tu sais quoi? Genre finalement, ce que je voulais dire, c'est que j'aime l'histoire que tu as osé pour tes valeurs à toi. La famille. Puis à la fois, j'aimerais ça te présenter quelqu'un qui est à Bijarba, qui a un podcast, Osé Podcast, gros shout-out. Puis je pense que tu as un fit parfait vraiment pour parler encore plus. Tu sais, nous ici, on veut donner plus de voix aux plus de personnes. Fait qu'on travaille avec d'autres personnes qu'ils donnent des voix. Fait qu'on peut donner le maximum de voix à tout le monde possible. C'est quelque chose que je peux recommander ici. Ouais. Il y a aussi podcast. Fait que, hey, merci encore. Merci beaucoup. On t'encourage. Merci d'être ici. On va tout partager ici. Ça. Puis, on t'envoie tous les mini-clips. Ouais, les photos aussi. Là. Oh yes, merci. Merci. On va avoir une photo tantôt. Bon après-midi. Enjoy. Ciao. Hello. Est-ce que tu nous entends? Oui. Parfait. Salut! Salut! Bienvenue, Yellow Sea Podcast. Ray, Alexis,
Alexis Tacos. Et ton nom, encore une fois, pour tout le monde qui ne connaît? Kairi. Kairi. Kairi, tu fais quoi? J'ai entendu ce que tu fais, mais je veux que les autres personnes sachent qui tu es. Alors, je m'appelle Kairi, je suis une artiste multidisciplinaire. Nice. Je chante, je rappe et je joue du violon. En parlant de violon, OK, je crois que tu dois y aller bientôt. Je viens de parler à Alex. Ah, OK. Donc, peut-être qu'on va se faire couper. Mais au moins, tu as un petit peu de temps pour te parler. Ça marche. Ouais, je performe ce soir. Exactement. Ça, c'est une belle introduction. Elle va performer aujourd'hui. C'est quand même important, on te veut partout. En ce moment, elle vient réchauffer la voix un peu au Yellow Sea Podcast. Fait que ça fait combien de temps que tu fais du violon? Ça fait longtemps. Ça fait depuis que j'ai 7 ans. Nice. Fait que ça fait au-delà de 20 ans. Est-ce que c'est tes parents qui t'ont embarqué vraiment, qui t'ont poussé à ça, ou c'est toi qui... moi, je suis musical, je suis artistique. En fait, mes parents, ils voulaient que je fasse un instrument de musique et j'ai choisi le violon. C'est vraiment simple comme ça. Le plus cher. Puis j'ai pas arrêté. T'aurais pu faire du piano, elle a pris le violon. Elle a pris le violon. Faut pas faire ça. Je suis avec Naila, la fille de mon amoureux. Hey, allô, Naila. Tu veux dire allô? Salut, Naila. On t'entend très bien. Allô, Naila. Bienvenue au Yellow Sea Podcast. So, parle-nous un peu. Là, ça fait du rap. Dis-nous, c'est comment... Y a-t-il des vidéos YouTube? On peut dire aux gens de vous suivre, de partager, ouais, Instagram. Y a des vidéos YouTube. Récemment, j'ai sorti un clip qui s'appelait La Reine. La Reine. La petite Naila était dedans, d'ailleurs. Oh, on dirait que j'ai vu ça passer. Ouais, puis sinon, il y a beaucoup de vidéos. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. C'est Kairi. Kairi. Puis justement, je me fais dire que je dois venir. OK, fait que, vas-y. OK, c'est bon, mais... Ouais, merci pour l'introduction. Merci. Ça fait plaisir. Alors, bonne journée. Succès. Bonne présentation. Merci. Bye-bye. Bye! Bye-bye! Thanks, guys! Et on revient pour une petite pause. Il y a aussi podcast. Encore une fois, on va avoir des invités super intéressants. Yo, en ce moment, le beat est en feu! Mon gars. On vient de voir une présentation de Kairi, la violoniste. Elle nous a donné une petite présentation de ses skills. En ce moment, le beat est parti. Guys, le party est malade. Thanks God, la température est là. Yo. L'ambiance est là. It's a lovely day to have a lovely day. It's a lovely Est-ce que vous amusez, guys? To have a lovely day. Yo, c'est nice. Hey, what's up, partner? Comment ça va? On va vous présenter quelqu'un en ce moment. Il y a une fondation, on va laisser s'introduire, mais... En plus, l'ambiance est là pour toi, mon frère. Ouais. Le beat est là pour toi. Est-ce que t'entends? Monte, on t'entend pas. Il va ajuster. Là, tu me reçois? Ah ouais, je t'entends super bien. Super. Yo, parfait. Super. Yes, salut, ça, comment ça va? Ça va super bien, vraiment là. Yo, le vibe. Non, non, c'est ma deuxième année, cet événement-là mérite d'être connu. Yo, honnêtement, puis c'est pour ça qu'on est là, on veut propager ça encore plus loin. On va mettre le bruit. Il en faut plus des événements comme ça. C'est un événement caritatif, vraiment un événement caritatif, que les gens sont là, il fait beau. Puis tu veux dire qu'en même temps qu'on s'amuse, il y a une belle cause. Mais on est en train de supporter aussi des causes dans la collectivité. Exactement. C'est exactement ça le but, tu sais, vraiment. Puis j'aimerais ça qu'on parle de toi parce qu'on a échangé un peu derrière. Puis toi aussi, t'es impliqué dans tout ce qui est aider les autres personnes. Parle-nous de toi pour les personnes qui ne te connaissent pas. Écoute, pour les gens qui ne me connaissent pas, là, tantôt je vous l'ai pas dit, mais je vais vous le dire là. Bien au-delà de ma fondation, avant tout, je suis superviseur de police pour le service de police de la Ville de Montréal. Ah, SPVM ici. Ouais. Bon, laisse-moi me replacer. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ça va bien, monsieur? Ah, non, mais sérieusement, tu sais, au-delà de tout ça, c'est que... Après ça, je m'excuse. Tantôt, je t'ai tutoyé. Hein. Ben non, il n'y a pas de souci. Écoute, entre nous, là, vraiment pour... Pour la conversation, là, est-ce qu'on peut se permettre de se tutoyer? Of course! Ah ouais, moi, je pense que le vouvoiement... Of course, bro! On est au-delà de ça. C'est on que, est des frères ici. Moi, je trouve... Tu sais, il y a des choses de bien qui se fait un peu partout, mais qui sont pas connues. Exact. Et cet événement-là, je pense que là, on est en situation de COVID, donc ils sont limités, mais je pense que c'est un événement, une fois que c'est connu, pas de COVID, c'est un événement qui devrait vraiment... Il devrait y avoir des centaines puis des centaines de gens qui participent. Il devrait y avoir vraiment des entreprises qui se disent « Écoute, cette cause-là nous tient à cœur, puis il faut qu'on donne. » On a cette obligation-là. Je me dis souvent, moi, je regarde le crowd, là, c'est tous des jeunes professionnels. Puis je pense que c'est la beauté de dire qu'on supporte une cause. Exactement. On supporte vraiment là, quelque chose qui se fait de bien dans la collectivité. Tous ensemble,
on supporte la cause. Absolument. Yo, la collectivité number one, puis c'est encore là, comme j'explique beaucoup, c'est l'idée derrière aussi de ce podcast-là, c'est de pouvoir donner plus de voix. Le plus de voix qu'on est ensemble dans un, on va dire, un channel, une plateforme, le plus on va se faire entendre, le plus on va pouvoir monter ensemble dans la collectivité. Puis que je parle beaucoup de, tu sais quoi, arrêter de dépendre de, admettons, les, gros, les corporations, le gouvernement. C'est nous, on bâtit notre propre richesse. Oui, et richesse. Moi j'ai travaillé 11 ans dans le quartier Saint-Michel, puis j'ai parti de ma fondation dans le quartier Saint-Michel. T'sais, puis ce quartier-là, c'est un quartier qui a été stigmatisé par rapport aux gangs de rue, par rapport à la pauvreté, mais ça, c'est médiatiquement, c'est des gens qui ne connaissent pas ce quartier-là. Exact. C'est vraiment, c'est un des plus beaux quartiers à Montréal. Écoute, plus du tiers de la population est âgée de moins de 30 ans. Imagine. Donc, on parle vraiment, la relève la est relève là. La relève est là. Non, la relève est là. Tu vas chercher le futur, là. Et, exact. Et on donne ce qui est négatif, mais il y a tellement de belles choses qui se font. T'sais, puis je regarde les jeunes s'impliquent. Les jeunes s'impliquent, les jeunes veulent changer. Ouais. Les jeunes, tu sais, il y a tout le temps ce combat de génération-là, puis je pense qu'on doit aller au-delà des combats de génération. Ouais. Il ne faut pas regarder pour dire, ah oh oui, la prochaine ou l'autre était meilleure ou quoi que ce soit. Non, prenons la génération pour ce qu'elle est, puis les jeunes, donner l'opportunité à des jeunes. Donner l'opportunité à des jeunes de travailler. Arrêter de vouloir embaucher quelqu'un qui a de l'expérience. Ouais. Mais avant l'expérience, il faut que quelqu'un te donne la chance. Exactement. Si on ne donne pas de la chance, c'est impossible. Donner la chance. Ben oui, 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 puis, vraiment. Puis nous, ce qu'on dit souvent, parce que c'est si la chance, on ne te la donne pas, crée-la. Et il y a du monde à ta fondation qui permette ça. Si on parle-nous un peu de le nom de ta fondation, puis comme ça, le monde, si vous l'encouragez... Parle-nous de la fondation exactement, comment, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le nom de la fondation? Premièrement, c'est simple, la fondation, c'est la fondation Evans Guercy, qui porte mon nom. Qu'est-ce qu'on fait depuis 2005? J'ai créé un club de boxe olympique. Wow! Oh, okay. OK? Et ce que toi, je donne... Boxeur aussi? Oui. Je donne une alternative à la délinquance. Ce que je dis, c'est que tant et aussi longtemps qu'un jeune fréquente une institution scolaire, ben, il peut faire la boxe chez moi à moindre coût ou sinon gratuitement. Wow. Donc, vraiment, le jeune qui va en compétition, je fais des levées de fonds pour payer, pour débourser les frais de compétition. Wow, et en fin d'année scolaire, quand on a du budget, le jeune qui est en situation d'échec, ben, je lui paye du tutorat pour s'assurer qu'il passe son année scolaire parce que l'avenir, c'est ton diplôme. Je dis souvent aux jeunes, là, le diplôme t'appartient. Le diplôme n'appartient pas à un employeur. L'employeur qui ne reconnaît pas toute ta capacité, tu prends ton diplôme, tu appliques ailleurs. Exact. C'est ça. C'est ton savoir. Ça t'appartient. Oui, oui, le savoir t'appartient. J'aime que tu dis. Est-ce que tu connais Didier Benz? Ben oui, je crois. Ben oui. Parce que regarde, anecdote par rapport à ce que tu viens de dire, puis là, je viens de sensibiliser parce que lui aussi, il y a 2 ans, c'était ça sa mission. Il voulait aider, admettons, dans le quartier Parkex, des jeunes dans des milieux défavorisés, puis vraiment apprendre la boxe comme une façon de sortir de toutes ces mauvaises influences-là. Puis au début, moi, j'ai senti cette cause-là importante. Je voulais aider. Fait que je suis allé l'aider à faire du contenu, à faire l'enregistrement, à faire connaître les affaires. Fait que je trouve ça super intéressant. Quand j'ai commencé, les premières subventions que j'ai eues, c'est une subvention que j'ai plus aujourd'hui, puis ça me dérange pas parce que les subventions, c'était pour combattre les gangs de rue. Ah. Tu sais, c'est comme, non, c'est que... Et des toi, fois, t'es pas même, d'accord avec non, ça récemment. Non, parce qu'au niveau du gouvernement, parce que ça faisait ça comme tous les jeunes qui étaient dans mon club, c'était quoi? Des gangs de rue. Tu sais, il faut éviter de donner cette étiquette-là. Ouais. Tu sais, l'étiquette est facile. C'est tellement facile de coller une étiquette... Un troupe de jeunes ensemble, des gangs de rue. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Prends le temps de les connaître. T'sais, vraiment, moi, c'est ce que j'ai découvert. Puis, t'sais, j'ai tellement de belles histoires avec des jeunes que j'ai fréquentés. J'ai appris avec des jeunes. Je me suis assis, j'ai discuté avec les jeunes. Puis pour voir comment ils veulent changer le monde. Et c'est eux qui vont changer le monde. Exact. Nous, on peut juste les aider. Il faut les guider. Puis, check, justement, juste hier, là, avec moi, je viens de Côte-Vertu, OK? Puis avec mon frère, on parlait de nos amis d'enfance. Puis il me disait, yo, t'étais-tu au courant que... Cheers. Merci, cheers. Le porteur d'eau. Porteur d'eau. Oui. Justement, mon frère me disait, yo, tu te rappelles de tel gars, je suis comme, il me dit, yo, tu savais qu'il dormait dans sa voiture avec son père? Je suis comme, ben non, je savais pas ça. Il me dit, oui, bro, il dormait dans sa voiture. Et j'étais comme, pour vrai? Il me dit, ouais. Il y a tellement... Et lui, c'était quelqu'un qui persévérait, mais personne connaissait cette histoire-là, tu vois. Et là, moi, je dis, dans ma tête, c'était comme, wow, tu vois, parce que derrière un struggle, derrière une difficulté, il y a une histoire. Puis moi, je trouve que ce que tu fais, ça dit aux jeunes comme, regarde, ça se peut qu'en dehors de ce petit carré-là de boxe, t'as d'autres problèmes, mais ici, c'est toi et moi. Oui. Ici, c'est toi, tu vois. Et je suis supporté par des gens de la communauté, mais je me dis aussi,
une fois qu'on réussit, on a cette obligation-là de donner au suivant. Ouais. Moi, à chaque année, là, la semaine dernière, j'étais avec un organisme à Montréal-Nord qui s'appelle les Fourchettes de l'Espoir. J'étais rencontré 23 jeunes pendant 2 heures de faire une conférence. J'en ai une autre qui s'en vient. Les jeunes, je pense qu'une fois qu'on réussit, ou sinon, même si on ne réussit pas, que, moi, dans mon métier, les ressources, j'en connais. Fait que des fois, le jeune, c'est les ressources qu'il n'a pas. C'est de prendre, de le diriger. Peut-être que j'ai des jeunes qui viennent chez moi, à mon club, mais c'est pas la boxe qu'ils ont besoin. Okay. Donc, ce jeune-là, je suis capable de le prendre et de lui dire non, non, non. La bonne direction. Va voir tel autre organisme. Nice. OK. Va voir lui. C'est comme. Parce qu'il n'y a pas de combat. Tu sais, j'ai pas de combat pour les subventions. Donc, je pense que c'est vraiment ça. C'est J'ai une question. Oui. C'est pas du reste, mais j'ai une question. Moi, c'est quelle histoire que tu racontes ou c'est quoi que tu dis aux jeunes pour créer cette affiliation-là? Il y a toujours quelque chose qui est plus fort que tout. Je vais être honnête. J'ai pas de mérite. Les jeunes sont venus me chercher au moment opportun. Ça a vraiment été ça. Et je me dis, j'ai beau avoir une bonne idée, si le jeune n'y croit pas, il ne participe pas, ben ton projet va tomber à l'eau. C'est comme une entreprise. Tu crées une entreprise, si tu n'as pas de clientèle... Tu n'as pas un client cible. Tu sais que ton entreprise va tomber à terre. D'accord. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pas voulu justement stigmatiser. C'est que moi, j'ai des jeunes qui viennent de Laval. J'ai des jeunes, tu sais, je prends tout le monde. Fait que j'ai des jeunes qui viennent de familles défavorisées, classe moyenne, mais aussi des classes riches. Donc, chez nous, là, tu sais, ça n'existe pas. Une variété. Je dis tout le temps, mon objectif, c'est de combattre l'exclusion sociale. Voilà. Je combats l'exclusion sociale. Chaque individu dans la société... Chaque individu dans la société peut contribuer à sa manière. Et il faut juste lui donner cette opportunité-là. Ouais. Tu sais, c'est quand je me dis, un chirurgien n'est pas mieux que l'éboueur. Parce que, imagine, là, si tous les éboueurs décident là, qu'ils vont faire la grève, là, fait que, qui va ramasser les poubelles? Crois-moi, un impact. Mais c'est ça. Ils ont tous un impact et ils ont tous vraiment leur place dans la société. Et c'est ça qu'il faut faire croire aux jeunes. Tu sais, comme, oui, tu sais, il n'y a pas un diplôme qui vale plus que l'autre. Vas-y dans ce que tu aimes. C'est ça que je dis aux jeunes. T'sais, une belle carrière, c'est une carrière de 30 ans. Donc, chaque jour, quand tu te lèves, il faut que tu apprécies ce que tu vas faire. Mais il faut vraiment que tu sois bien là-dedans. Moi, je te dirais un truc là, pour l'avoir vécu, moi, puis je pense que Ray peut affilier à ça, c'est qu'on ne comprend pas quand tu es jeune. On ne comprend pas le sens du « sois heureux ». Pour moi, c'était imaginable. Jusqu'à temps que je prends maîtrise de moi et de ce que je fais. Tu vois, je veux dire? Tu vois, moi, je suis comme... Il arrive un point où tu es comme... L'argent, c'est plus suffisant. Non, parce que... Mais ça prend... Mais t'as besoin d'argent, OK? Mais non, mais c'est plus ça. Ça va au-delà de ça. Le bonheur, là. On connaît tous des gens qui sont riches, multimillionnaires. Ils se suicident, tout ça. Non, non, ça prend plus que là. Ça va au-delà de ça. T'sais, ton bonheur, là, le bonheur est quelque chose d'intrinsèque, OK? Et ça, c'était comme... Moi, j'ai toujours... Moi, j'ai un diplôme universitaire. Pourquoi? Parce que je suis haïtien, ma mère voulait que j'aille à l'université. J'étais à l'université, mais je travaille merci pas. Maman. Ma mère en est fière. Ouais. Moi aussi, je suis fier. J'ai rendu ma mère heureuse. Mais aujourd'hui, ma mère aussi comprend ce que je fais. Elle me supporte dans ce que je fais, puis elle comprend, puis elle me dit oui. Je suis fier de toi comme tu donnes au suivant. Moi, ce que j'aime, c'est un legacy, genre. Oui, oui. Et c'est ça. Je regarde des fois, je me dis toujours, on dit la communauté... va te prendre en charge. Combien de fois que je regarde dans un parc, il se passe un événement, les adultes se tournent de... C'est pas mon enfant? Non! Non, il faut tous les aider. Non! Écoute, là, moi, je suis dans le parc, je fais « Hey! » Le jeune, il se retourne. OK, là, OK. Il y a un adulte qui me regarde. Ouais. Donc, ça veut dire probablement ce que je fais, c'est mal. Puis je vais vers le jeune. Je dis « Écoute, ce que tu fais là, c'est mal. C'est sérieux. Hey, » Puis là, ah, mêle-toi tes affaires. Non, 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 c'est mes affaires. Puis la majorité des jeunes, dans le savoir-être, si tu approches le jeune avec la bonne attitude, il va t'écouter. Tout le monde t'écoute. Non, non, il va t'écouter. Et il y a peut-être 10% de ce que tu dis qui va rester, mais c'est un 10% de plus que zéro. Ouais. Mais tu sais quoi, juste pour finaliser ça, à 18 ans, j'aurais voulu avoir quelqu'un comme toi autour de moi parce que moi, j'avais de la misère à essayer de m'orienter. Mais d'une façon, on finit par sortir, on va dire, des tranchées. Puis j'espère qu'il va y avoir plus de personnes comme toi et communauté, supporter, admettons, les coins défavorisés. Puis, une dernière chose pour clôturer. J'ai dit, c'est avec Ray, puis la raison du podcast, c'était on faisait des appels, puis on se parlait des longues heures sur l'histoire qu'on avait vécue, puis on était comme, faut le partager. Il faut partager. Non, il faut dire aux jeunes, c'est comme t'es pas tout seul, arrête de croire que t'es tout seul dans ce que tu vis. Il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose, puis ils ont réussi. Oui. Parce que des fois, on voit nos parents, puis ils sont comme, on se limite à ce qu'on est entouré. Mais il y a au-delà de ça.
Moi, j'aime bien l'expression en anglais qui dit « sky's the limit yeah. ». Moi, je dis toujours aux jeunes, les seules limites, c'est les limites que tu t'imposes. Exact. Parce qu'il y a des ressources. Tu as des difficultés scolaires, ben va chercher de l'aide aux devoirs ou n'importe quoi. Tu veux partir à une entreprise, va faire du bénévolat dans une entreprise, va voir, parle, pose des questions. Le pire, il y a quelqu'un qui ne te répondra pas, mais continue à poser des questions. La première porte qui ne s'ouvre pas, là, c'est pas la fin du monde. Ouais. Il y en a une autre qui va s'ouvrir. Oui, il y en a une autre qui va s'ouvrir. Il n'y a pas un seul jeune qui va te dire « j'ai pas envie de réussir ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, non, ça fait du bien de réussir, là. Exact. Arrête, il y a cette fierté-là qui t'appartient. Exact. Tu t'achètes une paire de montres, puis tu sais, là. Écoute, la paire de montres, là, non, non. Ouais. Non, non, j'ai mis 20 heures, là, pour avoir ma montre. Puis t'es là, mais t'es fier, là. Ben oui, c'est ben. Moi, là. C'est, je me paye mes choses. Tu payes des choses, tu voyages, tu découvres le monde. Exact. Puis tu sais que tu as un apport positif à ta communauté et à la collectivité. Puis je pense que tous les jeunes, sans exception, on doit leur donner cette opportunité-là. Ouais. On doit le supporter, bless. Tous les jeunes, bless. Sans exception. Amen. Hey, merci, Evans. Merci beaucoup. J'apprécie. Merci à vous. Relation Evans, où est-ce qu'on te trouve sur Instagram? On me trouve sur Facebook, on me trouve sur un peu partout. Tous les réseaux sociaux, je suis là. Merci encore beaucoup. Une fois. On partage ça en gros. Yellow Sea Podcast, Relation Evans. Bon succès, bon merci succès. Hey, Mic check. 1, 2, 1, 2. Hey, what's up? Bienvenue à Yellow Sea Podcast. Comment ça va? Moi, j'ai fait une promesse à ton ami, là. Ah, OK, j'écoute. Tu dois avouer, tu dois accepter, tu dois t'engager à aider la Fondation. Comment vas-tu le faire aujourd'hui, exclusivité de Yellow Sea Podcast? Ben, promesse, présentement, j'ai juste communiqué, en fin de compte, à la population en général, que moi, j'endosse la Fondation. J'endosse la Fondation. Est-ce que vous avez endossé la Fondation? Exact. On l'endosse, Yellow Sea Podcast. Donc, so, parle-nous-toi. Ouais, pour ceux qui ne te connaissent pas. Bon, écoute, je pense que Evan a déjà dit le clou. Je suis un ancien gagnant de la Coupe Grey. J'ai gagné la Coupe Grey justement à Montréal en 2008. Wow. Nice. Devant, à ce moment-là, c'était la plus grosse foule jamais amassée à une Coupe Grey. Il y avait 66 000 personnes au stade olympique. Check-moi une ambiance foule. Ouais, mais écoutez, c'est une combinaison de pur bonheur. Je parle, j'avais mon enfant, j'étais récemment marié. Wow, t'étais sur l'extase. Ah, l'extase. 100% là. J'avais ma famille devant moi. I'm winning every day. À Montréal. Yo, il se réveille là, t'es comme nice. Everything is beautiful. C'est nice, vivre ça. Là. C'est comme... T'en parles comme si c'était hier en passant. OK, you know what? Let's do it like it is today. Today. Let's go back, rewind the time, and let's go back. Let's just say today is the day of the game. Boom, oh shit, nice. Yo, je dis à ma femme, je t'aime. No matter what, j'apprécie tout ce que tu fais pour moi, puis mon premier enfant, ma première maison. Ça, c'est juste avant que je mette les pieds dans le stade. Wow. Ma femme m'a dit, écoute, repose-toi, concentre-toi sur la game. We're with you, we love you. All right, so moi j'arrive, stade, autobus, stade olympique. Tout le monde est là. La foule, Montréal, il faut savoir, c'est une ville excentrique, c'est une ville énergétique. Regardez, ça juste, sur le cœur, mon gars. Exactement, juste regarder un exemple très clair, la Tampa Bay, quand ils ont gagné la Coupe Stanley. Michel, Madame Maccabée l'a dit très bien, c'était vide dans la rue. C'était... Mais nous, la game n'a même pas commencé. Bon, t'es malade, yo, la game n'a pas commencé. L'autobus, on a la misère à se rendre au stade. Wow. Puis c'est 2-3 heures avant la game. Écoutez, j'arrive à la game. Moi, dans ma tête, c'est comme... Je ne me suis jamais rendu à un championnat de toute ma carrière, que ce soit au niveau amateur jusqu'au niveau professionnel. Je ne me suis jamais rendu à un championnat. Et voici, présentement... Mais tu tentais comment? Déstabiliser ou t'arrives à contrôler? Ça, c'est un bon écoute, win, j'avais un... You know the calm before the storm? Ouais. J'avais un calme, mais j'avais des tremblements, mon gars. J'étais nerveux, j'avais des palpitations. Tu sais, c'était... J'étais névralgique, j'avais... Damn. J'avais un focus, vraiment, que dans ma tête, là, tout ce que je peux faire, c'est faire du mieux que je peux, là. Mal. T'entends rien autour de toi, j'entends tu vois rien. Juste genre l'objectif, comme... Le win. C'est genre, même durant la game, je jouais des... C'est quel soundtrack que je... Ah! C'est quoi ton beat? Mon beat, Sky's the limit. It's the next episode. Mais écoute, le beat de ma Coupe Grey, c'est... It's a very dark beat. Parce que c'est de... Ça s'appelle Signatune de DJ Midi. OK. Puis l'année d'après, en 2009, tout ce que j'ai entendu de DJ Midi, qui est mort dans un effondrement de son bâtiment en France. Damn.
C'est DJ Midi, c'est un DJ que j'adorais depuis le départ. Puis la chanson Signatune, si jamais vous n'avez jamais à l'entendre, une fois, il doit être quelque part sur YouTube. Ouais, c'est quelque part sur YouTube. Vous allez sûrement le trouver sur Apple Music. Mais c'était une chanson qui m'a mis exactement dans la zone que j'avais besoin d'être. OK. Puis écoute, je sais que je diverge un peu au niveau de la musique, mais cette musique-là, cette trame sonore-là, je l'ai joué en continu pratiquement jusqu'à temps que je mets les pieds sur le terrain habillé au complet. Damn. C'était carrément mon thème de la journée. Puis c'est comment, genre, être sur le terrain quand c'est la dernière game, puis c'est « we gotta give all in ». Le sentiment, parce que c'est pas tout le monde qui était vraiment ta ville te regarde. J'avais des crampes aux joues. Est-ce que t'avais peur de manquer, admettons, ta shot des fois, là? Non, parce que moi, dans ma tête... T'étais vraiment « yo, we gon... yo, yo, we mais, dans ma got tête, it ». Dans ma tête, c'était tout simplement « whatever happens, I'm gonna give it everything I got ». C'est comme, j'ai rien à perdre, j'ai pas de lendemain. Dans ma tête, c'était ça, j'ai pas de lendemain. Comme Grey Cup, 66,000 people. Durant le warm-up, il y avait déjà 30 000 personnes dans le stade. T'entends le monde crier, même nous huer quand on rentre dans le stade. Tu sais, like the bad guy in the wrestling. C'est ça, là. Le bad guy, là. The bad guy's gonna win this one. Yeah, the bad guy, t'arrives là, pis t'es comme, yo, I don't care. I'm here with my teammates, avec, tu sais, Jermaine Copeland, Nick Lewis, freaking Harry Burris. Shout out, shout out. Yo, c'est tous des futurs Hall of Fame. Une parenthèse, c'était quoi le score final? Yo! et tu joues quelle position aussi? Parce que j'ai une question qui va suivre ça, tu vas voir. Yo, je vais être honnête avec vous là. Le score m'importait peu. Le score, à ce jour, je m'en souviens pas parce que qu'est-ce que j'ai comme mémoire, c'est que. Chaque yard counts là. Every yard counts, but. The stadium was quiet, and I had my Grey Cup in one hand and my son in the other. Wow! So, damn. The score damn. Or the on score... On a besoin de la photo pour ce clip-là. Là. Ah, yo, j'ai même la... On voit la photo, on la met pour... Yo, this is what it feels like. Yo, j'ai même la carte de joueur, ils l'ont mis exactement. J'ai mon garçon dans un bras et la coupe grise dans un autre. Puis, à ce moment-là, c'est... Du jour à ce jour, le score m'importe peu, c'est ce moment-là qui reste photographié dans ma mémoire. Puis la question du score, parce que je voulais voir c'était quoi l'écart, parce que c'est quoi les derniers 10 secondes? Est-ce que c'est un score qui est comme, on est à 3 points de différence, on est à comme 14 points de différence, puis 10 secondes, je suis comme, it's in the bag. Well, you know what? What I'm going to do is going to rewind the track. Go. Half time. On perd la game. Oh. We're losing the game. Yeah, on perd la game at half time. Okay, on perd la game par 10 points. I think it was score, it was, je pense que c'était quelque chose comme 14 à 3. Shit. We're losing the game. Mais la face, c'est que ce qui est arrivé, c'est que la mentalité des joueurs arrivée à la fin de la game, puis je me souviendrai toujours, on a arrêté les Alouettes, on a arrêté Carvillo, l'offensive de Carvillo. Et ils n'ont même pas pu scorer un botté. C'est comme, on les a juste arrêtés, puis tu voyais là, ils étaient déçus when they went back in the locker room, even though they were winning. Puis je me souviendrai encore toujours, parce que moi je me souviens des moments. Les statistiques spécifiques là, moi je m'en tape, mais c'est des moments. Je me souviendrai encore à ce jour, coach John Hofnagle, arrive dans le locker room, puis le dernier mot qu'il a dit de tout son speech, guys, we got him exactly where we want him. Quand il nous a dit ça, ce moment-là précis-là, les gars, on s'est regardé dans les yeux et dit, yo, there's no way we're gonna freaking lose this game. OK, oui. So, qu'est-ce qui est arrivé après? C'est tout simplement que les gars étaient... Guys were focused. Trop souvent, quand on arrive à l'instant du moment, t'sais, on voit 66 000 personnes dans le stade, l'ampleur du moment, puis on a oublié l'ampleur du moment. On a juste dit dans notre tête, yo, we're just gonna play football. It's our city. At that point in time, we're just gonna play football. Puis ça, ce que j'aime, ce que tu dis là-dedans, c'est qu'on se retrouve souvent dans cette position-là. Soit, je parle, un examen, une entrevue, un lunch d'entreprise. Si tu commences à focus sur le crowd, sur tout ce qui est externe de toi, tu perds le focus. La seule chose que tu as à faire, c'est ce que tu sais faire.
le mieux, c'est gagner chaque fucking yard, jouer ta balle, jouer ta position le mieux que tu peux. Yo, yo, you sound like you play. Moi, j'ai soccer, mon gars. Moi, j'ai joué, puis quand t'oublies tout. Ta job, faut que tu la fasses, ta job le mieux possible, et t'espères que chaque coéquipier va faire pareil. Puis c'est exactement ça. Tu l'as super bien dit, c'est exactement ça. Puis à ce moment-là, c'est comme, on s'est dit, one play at a time. You know what? And we'll do whatever needs to be done. Puis, à la fin de la journée, là... Moi, j'ai une question. C'est juste genre la coupe, mon kid. C'est que moi, j'ai une question deep pour toi. J'écoute. Okay? Parce que c'est la même question que je me suis posée à moi, je l'ai posée à toi, OK? Yeah. Une fois que tu atteins ce reach dans la vie, OK? Tu le prends, tu l'enregistres, OK? Yeah. Mais la vie finit pas là. Exactement. You want to reach le même effet... Mais tu sais que tu peux plus le revivre là parce que c'est déjà une fois, tu vois. Comment tu vois ça que dans la il y a un autre événement que tu dois créer. Il y a un sommet encore gars, plus élevé après. Ah, tu vois, je veux dire parce que moi parce que la vie parce que la vie pour moi la vie c'est l'enregistrement d'événements justement, tu vois. Yeah. Et des fois je me dis Alex, il faut que tu sortes de cette zone là pour re-reach parce que quand tu reach quelque chose de high, c'est parce que tu as osé, tu vois. Ben, comment tu vis ça? Parce que là, tu as vécu un gros... Comment tu vis ça en dehors du stade? Mais regardez, là, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est comme un petit peu de confession moi-même. C'est comme... C'est sûr que moi, ma carrière s'est terminée à un moment donné. Là. Comme mon dernier match, c'était en 2012, en septembre 2012. C'était 2-3 semaines avant mon anniversaire. Mal. Puis, c'est... Ça a l'air de rien. C'est sûr que... Oui, passer un summum extrême comme ça et se dire que est-ce que je vais pouvoir revivre quelque chose comme ça dans le futur ou est-ce qu'il y a autre chose pour moi? Exact. Puis ça, c'est... Parce que t'es jeune, là, mon gars. T'as la forme et tout, là, t'es jeune. J'ai l'air jeune. Oh, vas-y. La crème de nuit. Non, mais qu'est-ce que je peux dire, c'est... Parce que moi, ben ça, c'est une histoire personnelle à moi. Moi, ma transition, ça n'a pas été facile. Parce que moi, après avoir joué football professionnel pendant une dizaine d'années, après ça, je me suis mis dans le coaching pendant 4 ans. J'étais coach à l'Université Concordia. Wow. Puis, écoute, j'ai eu des accolades en 2014 en étant nominé meilleur coach de l'année. Puis, tout. Puis c'est sûr que le football est resté en moi, mais éventuellement, il va falloir qu'on fasse une transition. Puis ça, je vais parler aux jeunes aussi. Exact. C'est que ce soit que tu aies réussi ou que tu aies... Ou tu n'as pas vraiment achieve ce que tu voulais achieve. Mais l'important, c'est la route que tu as pris. Bless. The road you took. Puis, moi, qu'est-ce que j'ai dit? C'est que l'événement en tant que tel qui s'est passé, oui, ça a été un summum de ma carrière, mais la route que j'ai pris, le travail que j'ai fait... De continuer à mettre la même énergie. Exact, mais c'est ça, exactement. La mentalité que j'ai eue pour atteindre l'objectif ultime. Ça, c'est le vrai succès. C'est la clé. Exact. La clé, c'est pas de achieve. Parce qu'il y a trop souvent, some people achieve, and next thing you know, you hear of a billionaire, he got all the money in the world. They get fat. They get fat. They retire, and next thing you know, t'entends que le gars est mort subitement dans son lit, ou malheureusement, du monde tombe en dépression. Et l'affaire, c'est que... Qu'est-ce que je peux dire, c'est pas the achievement, it's the road. What road are you deciding to take the next step? Quelle route que tu vas prendre la prochaine journée? Moi, je veux dire honnêtement, moi, la route que j'ai pris, je dis OK, I'm moving to something else. I'm not going to forget what I learned. Je vais pas oublier ce que j'ai oublié. Non, je vais pas oublier ce que j'ai fait. Même si tu veux, tu peux pas. Mais l'énergie, comme tu viens de le mentionner, l'énergie et aussi d'être humble et la modestie de vouloir toujours apprendre. Bless. Exact. Si tu acceptes d'apprendre, tu vas avancer. Si tu dis que j'ai pas le courage, je suis fatigué, c'est trop dur, c'est trop difficile, tu n'as rien fait encore, puis tu t'es déjà mis des roadblocks, tu t'es déjà bloqué. Mais l'objectif présentement, c'est de dire OK, you know what, je vais prendre une autre route. Présentement, j'ai pris une autre route qui m'a fait en sorte que j'ai pu rentrer dans une belle entreprise québécoise, qui fait en sorte que je peux sécuriser l'avenir de mes enfants, sécuriser mon logis, sécuriser tout ce qui est autour de moi. Mais
ça a été tout simplement la procédure de, d'être humble et modeste assez de dire, OK, you know what, j'ai besoin d'apprendre et de continuer à apprendre continuellement. Hey, c'est nice. Mais hey, je te remercie. Écoute, toi aussi, tu m'as amené dans un high en ce moment avec ton histoire. Je l'ai senti. Puis j'espère que le monde qui va écouter ça va sentir le même high comme oh shit, il y a un next task, il y a un sommet où est-ce qu'on peut se rendre. Et ça finit mais pas garder là. Le focus après. C'est pas fini la game. C'est jamais fini. La game finit pas, c'est juste une pause, un half-time. The game is over when you decide it's over. Bang. Bang. Hey, thanks. Bang. Merci beaucoup encore une fois. Ça fait plaisir. Si on veut te suivre, c'est où? Instagram, Facebook? Moi, je suis pas le genre de personne que vous avez besoin de me suivre. Moi, je vais venir vers vous. He comes home to you. Comme une tempête. Écoutez, c'est sûr que prochainement, je vais sûrement refaire des conférences. Avant, je faisais des conférences dans des écoles, je faisais des conférences dans des groupes. Je supporte justement Evans Guercy. Nice. Ouais, c'est ça. Yes. Des sports de boxe. Donation. Et je suis très sincèrement. Puis, écoute, n'importe quelle opportunité, j'ai de pouvoir motiver des jeunes et de pouvoir leur parler. Comme nos jeunes à cœur à Montréal-Nord, c'est un programme dans lequel que j'étais vraiment impliqué aussi. Pour surtout les jeunes de Montréal-Nord, parce que c'est de là que je viens. Montreal North, here we go! Montreal North, baby! You know? Puis trop souvent, les jeunes regardent ce qu'ils sont juste autour d'eux. Ils ne sont pas capables de voir plus loin. Puis moi, qu'est-ce que je peux essayer de leur apporter? C'est être capable de voir plus loin. That's it. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Yellow aussi podcast. All right, let's go. Hey, 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 what's up? Et on est de retour ici. Oh, Good Vision, il est venu nous rejoindre. Il a pris une pause. Lui, quand il prend une pause, ben, c'est pour aller faire un autre job après. Les gars, il est partout. Comment ça se passe? If I don't work, I work. Comment ça se passe, Good Vision? Good Vision, il est là, il est partout là, sur l'événement. Vous allez voir toutes les images de l'événement Lovely Day. Ils proviennent de Good Vision Production. All day, every day. You know how we do it? 100%. Thank Et you. On a un invité ici, Pierre. Hey, what's up, guys? What's up, comment ça va? Ça va très bien, merci. Moi, on me dit là, que tu fais de la crypto. Entre autres, oui. Entre autres. Ouais. On peut parler de crypto. Ah ouais, on va se concentrer sur celle-là. Donc, c'est quoi ton private key? That's not happening. Not happening. Je vais donner donations. Un des mots joué. tu devineras les 23 autres. Ah, that's it. Est-ce que tu fais aussi, entre parenthèses, stocks market? Oui. Oui, OK. Ouais. Fait du trading. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Il y a à peu près... à peu près 13 ans de ça. Non, ah ouais. Tu disais 15 ans. Toi, t'es un OG dans la game, là. J'ai quand même 45. OK. C'est à ta normal, trentaine. À la trentaine, non, début trentaine. Puis là, en fait, moi, je trouve que c'était tard. C'était le moment. Ben, pour moi, c'était tard parce qu'à l'époque, j'étais mon ex, elle connaissait beaucoup ça depuis très longtemps. T'sais, on pense que moi, à 30 ans, j'étais comme très tard, mais vaut mieux tard que jamais, ouais. Fait que maintenant, tu fais du data mining. Où tu mines genre vraiment pour la crypto. Ouais, je mine de la crypto directement. So, basically, dans le fond, il y a quelques années de ça, à peu près 7 ans de ça, j'ai commencé à acheter des bitcoins. Right? Puis à l'époque, moi, mes premiers bitcoins, c'est genre 300$. Ah, that's it. Toi, t'es rentré au début de la vague. Là. Ouais, c'est que j'en ai... Non, le début de la vague, c'était bien avant ça. Il donnait. Il y a un temps, il donnait les bitcoins. Les premiers, je suis à poignée, c'était à 25. 25 piastres? Ouais. Ah, toi, t'es dans le début de la vague. Pas moi. T'sais, comme je te dis, à l'époque, il donnait. Moi, je ne croyais pas à ça. Mais il y a du monde qui les a eu à 8 sous, là. Exact. T'sais, moi, j'en ai acheté à 300 piastres. Je les ai revendus à 500. Éventuellement, j'en ai racheté d'autres à 800. J'ai revendu à 1000, 2000, 4. Après ça, j'en ai racheté dans les 3000. Puis là, j'ai dit, ah, let me try to keep them. Let's try to give it this time. Puis là, ça a monté quand même de beaucoup. Puis j'ai continué à en acheter. Puis après ça, ça a redescendu. Puis là, j'ai capoté. J'ai dit, what the f... Est-ce que tu hold ou est-ce que tu sell? Ben, c'est ça qui est arrivé. Comme, quand ça a redescendu, là, je paniquais parce que j'étais comme, oh my God, really? Tu vois les chiffres, tu es comme, oh, j'ai tant d'argent, wow. Puis à un moment donné, en quelques jours, tu vois ça dropper. Oh shit, j'ai plus ton argent. Damn. Oh, wow. C'est que finalement, j'ai hold. J'ai décidé de hold parce que j'étais déjà habitué à investir dans le stock market. C'est que je savais qu'il fallait hold. Puis j'ai commencé à buy the dip. C'est que vu que c'était bas, je me suis dit, bon. You buy the dip. Tu sais, le Bitcoin, c'est très volatile. T'sais, surtout dans ce temps-là, fallait que j'aille cette expérience-là pour comprendre. Right? Ça fait que
Basically, j'ai bail, j'en ai acheté un peu plus. Puis éventuellement, avec cet argent-là, à chaque fois que ça montait haut, moi, je sortais un peu d'argent parce que je crois pas, I don't believe, je crois pas à ça, moi, hold à vie, là. C'est-à-dire que moi, quand ça monte, j'enlève un pourcentage, puis j'en garde un peu. Puis quand ça redescend, ben j'en rachète. Mm-hmm. Mais je fais de quoi de physique avec ce que j'ai pris. C'est la première fois que ça a monté, j'en ai sorti. J'avais déjà un peu d'argent d'une séparation, en tout cas, bref. Puis j'ai ajouté là-dessus, puis j'ai acheté un condo. OK. Right. Mm-hmm. Puis après ça, c'était encore dans le dip. Le dip, il a duré à peu près... facilement. C'est quel dip, celle-là? Le dip d'il y a 4 ans. OK. C'est que ce dip-là, il a duré à peu près 2 ans et demi, quasiment. Ça, c'était autour, le dip, il était à peu près dans le 2000, 3000, je pense. Ça se peut. Non, il avait rebaissé à peu près à 8000, okay, 11000, okay, okay, dans ces coins-là. Ben, 8000. Tu sais, puis moi, tu sais, quand j'avais acheté, c'était à peu près 3000, ça avait monté à 15, 16000. Après ça, ça a redescendu à 7000, 8000, right? C'est que, tu sais, j'étais comme, oh, wow. Sa prochaine montée. Est-ce que je peux curse parce que je suis désolé? Yo, ouais. Sans toi libre ici. OK, là. So I was like, what the fuck? On n'est pas réglementé par le gouvernement ici. Shit. Fuck that shit. So, là, finalement, j'ai le premier high que ça a fait, en tout cas pendant que j'étais là, ça avait high à 17, whatever. Puis là, tu sais, j'étais nouveau un peu à l'époque. C'est ça que j'ai dit, bon, OK, je vais le garder. Quand ça a recommencé à monter, j'en ai sorti un peu, j'ai voyagé, j'ai fait d'autres choses, blablabla. Alors ça a remonté super haut. Puis j'avais déjà acheté mon condo. Après ça, bon, quand ça a remonté, ben, je me suis dit, bon, all right. T'sais, dernièrement, ça avait monté à peu près à presque à 80 000 UK. Ouais, dernièrement, il y a... C'est quand ce high-là est arrivé, ben, j'en ai sorti. Puis là, j'ai décidé que... Tu sais, nous autres, on vient du hood, right? Ouais. Puis tu sais, dans le hood, là, c'est les meilleurs hustlers. Il n'y a personne d'autre qui connaît mieux ça, c'est vrai, là. L'argent puis la business que les gars du hood parce que... Comment je fais de ça? La situation de la vie nous fait que souvent, beaucoup d'entre nous, on a eu à hustle, right? Que ce soit à vendre un petit dime de weed ici ou ben whatever, you have to hustle. Back to work. You have to hustle for your thing, right? So, quand ça a monté, j'ai sorti une partie de l'argent puis je me suis dit, OK, moi j'achète, mais je sais que la crypto, dans le fond, c'est créé. C'est des ordinateurs, c'est des machines qui créent la crypto. Pour faire une longue histoire courte, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment la crypto, ben, c'est des machines qui calculent des problèmes mathématiques. Puis tout le monde sur le réseau est ensemble pour résoudre ces problèmes mathématiques-là. Puis à chaque fois que tu résous un problème mathématique, ça donne une fraction de peu importe la crypto que tu décides de faire. Fait que right? Toi, tu t'es lancé dans le mining, justement. C'est que là, moi, j'ai sorti de l'argent dans le high qui était dernièrement. Là. C'est que j'ai sorti de l'argent, puis j'ai dit, ben, let's mine. Parce que j'avais déjà des gens que je connaissais, des connaissances, qu'eux autres, ils avaient des machines à miner. Ces gars-là, ils faisaient à peu près des 2 millions par mois. Wow. Easy. C'est que là, moi, j'étais comme, OK, 2 millions par mois, damn, really? Je dis, yeah, bro. Like, mais eux autres, ils ont comme 10, 15 000 machines. Qui roulent à chaque jour. So, j'étais comme, wow, OK. Bon, ces gars-là, ils étaient déjà riches. C'est que pour eux, d'acheter 15 000 machines... Normal. C'était correct, tu sais. Mais moi, j'ai pas ces moyens-là. J'ai dit, OK, I'm going to start somewhere. C'est que là, j'ai commencé ma petite compagnie très, très humblement, right? Puis, tu sais, j'ai acheté une quantité de machines. Moi, j'ai une question pour toi. Le futur, c'est-tu un futur crypto ou pas? Clairement. Hein? Ben, en fait... Tu penses que le COVID a accéléré ça ou pas? Pour ceux qui écoutent, je vais vous dire clairement, la crypto, ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est vraiment pas ce qui est important. Les deux choses qui sont importantes, puis je vous le dis clairement, surtout tu sais, comme nous autres, là, black and brown, mixed people, you know, c'est le blockchain. Parce que le blockchain assure la sécurité de tout le monde. Exact. Right? Puis coding. Parce que présentement, le coding est bias. Tout ce qui est fait, c'est bias parce que la majorité des gens qui codent, c'est des blancs. Code tout à la même. C'est-à-dire qu'eux autres n'ont pas la perception des gens bruns, des gens noirs, de ces gens-là. Puis quand eux autres, tu sais, le Chinois qui fait une fête, quand il va dire à l'ordinateur de choisir un party, il va mettre une photo des gens qui lui ressemblent, tu sais, des blancs, des Chinois, whatever. Ouais. Mais tu sais,
moi. Mais ça, c'est une autre discussion. J'ai vu un documentaire justement sur ça, sur dire, le AI qui ne reconnaît pas nécessairement les personnes foncées parce que c'est biaisé par les concepteurs, les que c'est des blancs, des hommes blancs. Fait qu'une femme noire n'était même pas reconnue par la machine. C'est l'importance de ce qui s'en vient, mais ce qui est déjà là, mais qui va juste évoluer, c'est comprendre c'est quoi le blockchain, puis trouver des manières d'utiliser les blockchains pour nous autres, pour whoever, tu sais. Puis apprendre à coder et programmer. Puis pour wrap-up, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui est plus jeune? À toi, tu as 45 ans, tu as dit maintenant. Ouais. Quel conseil tu donnerais à toi si tu pourrais revenir dans le temps à 30 ans ou à même 20 ans? Économiser mon argent. Oh, save money. Save. Économiser puis investir jeune. Pas juste des jeans, là. Est-ce que je save à la banque ou dans la crypto? Aujourd'hui, c'est dans la crypto. OK. Parce que la banque n'est pas là pour te faire faire de l'argent. Non, ils sont là pour cacher. La banque est là pour faire de l'argent elle-même. Puis crois-moi, là, à 1% dans ton check, dans ton saving account, là, I mean, l'inflation, aujourd'hui même, l'inflation est à 5,6%. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, là. 5,6% c'est d'inflation. Ça devrait être 2% la moyenne. D'habitude, c'est 2 moyennes. Là, on est à 5 à cause de l'argent qu'ils ont donné par rapport à la COVID. Puis ça, c'est nos enfants qui vont payer ça en passant. Exact. Right? C'est que moi, mon conseil que je me donnerais plus jeune, c'est une partie save. Leur dire, peu importe l'argent que vous faites, gardez 10-15% pour vous. Ça, c'est pour chill avec tes amis, trip, faire ce que tu veux, ta drogue, whatever. Have fun. L'autre, le 85%, là, une partie tu économises, l'autre partie tu investis. Ben, économiser et investir, c'est un peu la même chose. Ouais? C'est que investissez dans les outils que vous avez. Vous avez des CELI, vous avez des REER, toutes ces choses-là. Compound growth, guys. C'est simple. L'intérêt, son intérêt, son intérêt. C'est que le plus jeune que tu commences, le plus d'argent que ça fait. Exact. Right? C'est que si tu commences à 19 ans, 20 ans, quand tu commences à travailler, si tu es chanceux, tu n'as pas travaillé avant ça, tes parents t'ont aidé, tu commences à travailler à 20, 21 ans, mais ton argent, là, oublie les Louis Vuitton, oublie toutes ces shit-là, à la limite. Oublie les Jay, là. Quand tu vas vraiment avoir l'argent pour afford it, ce sera même plus important. C'est encore mieux. Ce sera même plus important. Comme Nas il dit, when you can actually afford it, it's not even important anymore, right? So, gardez votre argent puis investissez parce que un exemple de même, si tu commences à 19 ans à mettre $100 par mois, ben avec le compound growth, après 20 ans, c'est-à-dire quand tu vas avoir 39 ans, ben il y a des grandes chances que tu aies à peu près un demi-million en banque. Yeah. Right? À $100 par mois. Écoutez les jeunes, là. C'est quoi notre compagnie? Comme ça, le monde, s'ils veulent hook up, tout quoi. All right, so, ben, j'ai deux compagnies. Ma première compagnie, c'est Vitrelux. Vitrelux. C'est une compagnie de nettoyage de vitres, résidentielle, commerciale. Nice. Ça fait 10 ans qu'on est là. Puis la deuxième compagnie, c'est Mine Noire. Mine Noire. So, Mine Noire. Mine Noire. Mine Noire. Right. It's mine. It's black. I'm mining and I happen to be black. So, that's it, man. Mine Noire. Right. So, moi, présentement, je mine du Dogecoin, je mine du Litecoin que je transforme après en Bitcoin. Puis, it makes total sense, guys. Trust me, it's a great time. Puis, keep the hustle real. Un conseil que je peux vous donner, je sais qu'il y a beaucoup de altcoins dehors qui sortent à chaque jour, qui valent des millièmes de cents, là. Guys, perdez pas votre argent avec ça. Ça, c'est des coups de chance. Quand ça sort, vous faites un petit peu d'argent, puis tout le monde est comme, wow, je fais 2000 piastres. Puis là, ce 2000 piastres-là, tu l'as fait vite, tu vas le dépenser dans un party sur de la boisson. All right, cool. Prenez votre argent, achetez des bitcoins, achetez des Ethereum, achetez des Litecoin, achetez des coins qui sont établis. Exact. Ces coins-là, ils ne vont pas mourir, guys. Même si vous voyez tous les médias et ils vous disent que oh, le Bitcoin il est down, tout est down. Occupez-les pas, guys. L'année passée, le Bitcoin valait 11 000. Maintenant, présentement, là, je suis en américain, 35. Il vaut 32 en date d'aujourd'hui. C'est ça que j'ai vu. C'est avec de 11 000 à 32, c'est quand même 200% de pourcentage. Yeah. Yeah. So, faut profiter de ça. C'est 200% de profit, guys. C'est-à-dire, si tu avais investi $100, tu aurais $300 aujourd'hui. Man. Oui, c'est vrai. Quand ça a monté à 80, voulant dire à peu près 60 000 US, tu aurais eu 600. Mais calice, tu en as 300. C'est fucking bon, man. 100 à 300, 100 à 600,
it's good. Ça rentre. C'est like, écoutez les pas, parce que pendant qu'ils vous dites à vous que c'est en train de baisser, toutes les banques américaines, toutes les banques de tous les pays, vous savez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pendant qu'ils vous dites à vous de ne pas acheter puis que c'est pas bon? Ben, eux, ils sont en train de les acheter. Ils sont en train d'acheter des bitcoins, ils sont en train d'acheter des Ethereum. Ethereum, c'est backé par JP Morgan, une banque américaine. Mal. So, you know what I mean? Litecoin, c'est la Chine. Il y a un truc que j'ai aussi là. Faut faire tes recherches là. Faut pas juste bête parce que ton voisin est bête là. Fais tes recherches. Ah, mais c'est important de savoir ce que vous faites. Mais moi, je vous donne des petits pointeurs. Yeah. Allez chercher, allez lire. C'est important d'avoir des connaissances. Puis, you know, stay in school if you're already in school. If you're not, don't do drugs. C'est personnel. Ça, c'est personnel. If you do drugs, just. You know, soyez la retenue, tu sais, ça sert à rien d'être un drogué dans la vie, là. Mais hey, merci encore une fois. Merci, pour le petit conseil crypto. Yellow Seat Podcast. Yellow Seat It's podcast. A lovely day. C'est quoi le nom du podcast? Yellow Seat Podcast. Yellow Seat. All right. Hey, je veux féliciter Geek Entertainment qui fait la journée aujourd'hui. Yes, yes. Alex Kedda. Donnez une bonne fête à Lovely. Lovely. C'est vraiment nice, nice. Guys. C'est dommage que vous ne soyez pas là. C'est vraiment... Zamunda, like, guys. C'est Zamunda. African wear, c'est vraiment ça cool. Vient beautiful juste people, là. A lot of women. Everything is good, beautiful man. People everywhere. A yeah, man. Better. So, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci à toi. Guys, n'oubliez pas, sauvez votre argent. You know, économisez votre argent puis investissez. C'est le temps. Quand vous êtes jeune, investissez, investissez, investissez. Perfect. All right, guys. All right, let's get MP. It. Je peux-tu donner quelque chose qui n'a pas rapport avec l'entertainment? Dis-le, c'est important pour moi, je le dis. Vas-y, un 10 secondes. Right. Guys, c'est un peu le Black Lives Matter, c'est le mouvement black. Nous autres, les blacks, on essaie de faire valoir nos droits puis faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'on vit. Puis si vous êtes des sympathisants puis vous êtes vraiment contre le racisme, peu importe les couleurs, le racisme, point, ben, c'est important que vous parlez. Laissez pas ça se faire devant vous puis rien faire. Dire, parce que si vous ne faites rien puis vous dites rien, vous faites partie du problème aussi. Right? C'est important. Que vous soyez blanc, chinois, whatever. Si tu vois quelque chose qui se fait contre un chinois, il faut que tu parles. Tu vois quelque chose qui se fait contre un noir, il faut que tu parles. Et vice-versa, de tous les sens. C'est très, très, très important. Parce qu'on vit dans un monde ensemble. On est tous là pour s'aimer, pour s'entraider. Puis il faut qu'on soit un là pour l'autre tout le temps. Drop the cool. mic. Drop the mic. Thanks cool. a lot. Yo, what up, Ralph? Comment tu vas, comment frère? Tu t'amuses? Comment ça va? Ça va super bien, messieurs, ça va super bien. Yo, c'est un lovely day aujourd'hui, là. Yo. Oh, mon Dieu, c'est fou. Température A1. Amazing, amazing. Les gens, ils look sharp, sont clean. Non, ils sont vraiment nice. Le swag, là, honnêtement, là, c'est la grosse malle en ce moment, là. J'adore, et puis j'aimerais dire happy birthday, lovely, pour de vraies belles soirées. Happy birthday. Happy birthday. Belle journée, belle journée. Je peux pas dire... quoi que ce soit. Et aussi Kenol, le Geek Squad. Alexandre right. Kenol. Geek Squad. Ah, Geek Squad. Il fait une grosse job, là. Vraiment une grosse job, J'adore ça, les gars. Il faut le dire, là. Il travaille fort derrière, là. Ouais, puis on l'avait juste dernièrement en plus. Puis là, on est ici, je suis comme nice. The love is there. Ouais. Puis je pense que le plus qu'on peut expandre le message, la voix, de qu'est-ce qu'on fait, nos activités, nos actions, c'est quoi notre objectif derrière ça? On va s'en aller quelque part collectivement. Exactement. Et bienvenue à Yellow Seat Podcast. Raph. On nous a recommandé que tu sois là. Oh, wow! Oh, okay. On me dit, tu vas pas closer le podcast si t'es pas avec Raph. Yo, yo, Raph, c'est le maître. Raph, parle-nous un peu de toi parce que nous, on te connaît pas, mais on sait que t'as une belle histoire. All right. Parce qu'on on nous a dit que quelqu'un, son père, déposait la porte devant chez toi pour qu'il aille chez vous. C'est vrai, c'est vrai. So, ouais. Explique-nous un peu, gauche-droite, pour que le monde puisse apprendre à te connaître. Bon, d'un, moi, c'est Raph, justement. Je suis le CEO de Belle Garçon Entertainment. Bel garçon, Entertainment, guys. T'as-tu Instagram, Facebook? Exactement, Instagram, Facebook. De Bel garçon _ENT. All right, so Bel garçon, c'est BELGARCON _ENT. All right, alors comme ça, vous pouvez nous rejoindre. Bel garçon, c'est quoi au juste? C'est vraiment simple, c'est. Bonne fête, Lovely. Bonne fête, Lovely. Yeah, le dessert s'en vient ou quoi? Ouais, le gâteau, là. Vas-y. OK, exactement. Puis, attends-moi un instant. Joyeux anniversaire! Ouais! Shout out, Anne Lovely. Anne Lovely. Anne Lovely. Alors, love, c'est quelqu'un qui est nice.
All right, so dans le fond, le bel garçon, comment ça s'est parti? C'est en étant jeune, victime d'intimidation. Alors, j'ai décidé de partir la compagnie Bel Garçon, qui veut dire que no matter what, even if, comme si au niveau physique, mental, whatever, tu dois être bien dans ta peau. Alors, j'ai parti le brand Je suis Bel Garçon, Je suis Belle Femme. Beaucoup de nos femmes subissent beaucoup de... au niveau de la physique, au niveau mental, qui sont laissées de côté. Alors tout ça, mon équipe, Stéphane Saint-Méran et Hensley, bien-aimé, on s'est mis tous ensemble pour partir en brand Bel Garçon, qui aujourd'hui, depuis 2014, fait beaucoup, 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 beaucoup pour la communauté. Et puis aujourd'hui, j'en suis très fier de qu'est-ce que j'ai accompli. Et puis, comme on vient de voir ici, Marc, qui vient de passer derrière moi, eh bien, Marc a vu le cheminement de A à Z de comment que j'ai mal grow up et puis comment que aujourd'hui je suis très fier et puis très impliqué dans la communauté. Voilà. Nice. Puis fait qu'est-ce que vous êtes en aidant les personnes, c'est quoi les activités que vous faites comme pour vraiment aider ces personnes-là qui ont passé par l'intimidation ou qui ont besoin vraiment d'une relève ou une... Mais dans le fond, qu'est-ce que j'ai commencé, c'est que pour de vrai, j'ai fait des événements. Puis par la suite, eh bien, on a ouvert une compagnie de branding, clothing. Alors, les gens peuvent aller sur le site Bel Garçon, BELGARCON, clothing, CLOUTHING.com. Ils peuvent se procurer le chandail, nice, Bel Garçon ou Belle Femme. Et nous avons également offre $1 pour chaque achat à la Fondation 1804 pour la réussite des jeunes. Nice. Alors, on redonne à la communauté. Et puis, on a des projets qui s'en viennent, dont donner au suivant. Et puis, par la suite, eh bien, vous avez ce monsieur-là ici, oh, yeah. Monsieur Renzel Washington. Il voulait passer incognito, man. Il ne peut pas passer incognito. Impossible. On me dit que tes projets... C'est le prochain. Dans le vibes. Et puis, alors, justement, M. Renzel m'a beaucoup aidé dans les projets qu'on va aboutir pour le mois de septembre. Alors, voilà, on continue à grossir, on continue à être plus impliqué dans la compagnie. Puis, dis-nous, c'est quoi tes plus gros défis derrière ça? Moi, mon plus gros défi, vraiment, c'est de reconnaître que... faire le bien aux gens. C'est ça notre but. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont le sentiment, tu sais, qu'ils ont une tristesse, ils ont une faiblesse, mais ils ne veulent pas manifester cette faiblesse-là. Puis nous, on pousse les gens à sortir de ça. Sortir c'est comme... la vulnérabilité des et personnes. Et voilà. Parce que tout le monde a comme... Puis je trouve que c'est intéressant ce point-là parce que dans les médias sociaux, tout le monde est parfait, tout le monde est 100%. Mais personne, tu vois, le côté obscur, ouais, qu'on devrait discuter, ouais, plus parce qu'on passe tous par des mauvaises périodes, par des mauvais moments. Puis si on ne sait pas comment une personne se sent, comment elle est sortie de là, comment on peut savoir corriger ça pour l'autre personne? Et voilà, puis tu sais, sur les réseaux sociaux, on va voir des gens que on voit les photos, on voit les vidéos, puis tu penses que tout semble être correct, mais c'est pas vrai. Parce qu'à l'intérieur de la personne, il n'y a que, exemple, une femme qui est célibataire, qui se trouve pas un homme, puis là elle a un sentiment de chagrin, il y a pas d'homme qui l'intéresse à elle, mais elle va comme poster sa, comme pas sa frustration, mais c'est qu'elle est joyeuse, mais au fond d'elle elle est pas. T'as la pression sociale, hein, t'as rendu à un certain âge, t'es pas marié, t'as pas d'enfant, tu t'auto-blâmes de... ouais. Et voilà, puis t'as déjà été dans les mauvaises expériences avant là. Et puis, voilà, puis moi un point que j'aimerais revenir parce que comme je l'ai quand même vu ou vécu, c'est, si tu veux, comme pas les gangs de rue automatiquement, mais les rassemblements de jeunes, c'est l'appartenance souvent d'une certaine souffrance, tu vois le dire? C'est souvent comme t'as vécu struggle, j'ai vécu struggle, sauf toi et moi, on peut être amis, tu vois le dire? On peut être ensemble. Puis pour justement soulever ce struggle-là. Exact. Puis moi, ce que j'aime de le fait qu'il y a une marque de vêtements derrière, il y a des vêtements derrière, c'est que t'as l'effet d'appartenance. Et voilà, quand tu portes ce chandail-là, ou quand tu portes le pantalon, ou tout, c'est que tu viens et tu te mets un pied à terre en disant comme, je dénonce et j'accepte ce que j'ai vécu, comme j'accepte que c'est arrivé, mais j'accepte pas de souffrir à travers, tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Ce que j'aime l'idée de ça, c'est que c'est ça, c'est
tu le portes fièrement et tu vas attirer d'autres personnes dans ce groupe-là. Mais c'est comme FUBU, for us, by us. By us, exactement. Puis eux, quand même, tu vois, eux, quand ils l'ont fait, oui, ça a été comme... Mais tu vois, en même temps, nous, notre vision, on veut justement pas que ça aille justement dans cette voie-là. On veut toucher tout le monde. Okay. Alors, lorsqu'il a lancé le For Us By Us, oui, c'était... Mais c'était puissant, puis ça a marché. Ça a marché, mais est-ce que ça a marché à long terme? Ouais. Non. Moi, ce que j'aime ce que tu dis en ce moment, c'est une réalité que... Parce que moi, je suis né ici, OK? Donc, je peux pas toujours comprendre ce que les autres personnes vivent, comme c'est une nouvelle langue, une nouvelle nourriture, un nouveau climat. Par contre, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'au moment où tu te fermes, genre, les Latinos, on va chill juste avec les Latinos, tu refais ce que les autres font à d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire? Tu recommences cette chaîne de juste avec nous. Exactement. Et tu mets des barrières. Mais c'est pour ça que nous autres ici, on est fiers que, tu sais, n'importe qui va venir n'importe ici. N'importe qui. Il n'y a pas, de couleur vraiment à notre channel. Notre équipe est toute variée, diversifiée dans toutes sortes de cultures. Mais c'est nice. Est-ce que c'est moi? Moi, je ne veux pas non plus avoir cette pensée-là, mais moi, j'ai toujours dit, mes parents m'ont toujours dit, Ralph, ne ferme aucune porte. Exact. Il ne faut pas brûler les ponts. Non. À moins que la personne te fasse vraiment planter un couteau dans le dos, là, mais... Faut pas brûler les ponts, faut juste les fermer. Au pire, je l'ouvrirai quand j'en aurai besoin après. Et puis d'adieu. I don't know. Biz. Hey Ralph, merci beaucoup. Hey, ça fait vraiment plaisir, boys, guys. Yo, continuez votre bon travail, guys. Yes, for sure. Je vais aller voir le site web. Bel Garçon Entertainment, baby. Oui, allez-y. Ouais, moi, je vais checker ça. Ouais, le site web, c'est belgarconclothing.com. BelGarconClothing.com. Clouding, CLOUTHING.com. And we in, baby. If that's go. It. All right, all it's right, a lovely right. day to have a lovely day. Yellow Sea Podcast, baby. In all right, all house. Right. Woo! Hey, 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 Yellow Sea Podcast, Mr. J Train. What's up? Comment ça va, man? Yo, you're looking... Oh, shit, t'es beau, mon gars, là. Thank you, Ezra. I appreciate it. Yo, moi, je veux savoir d'où viennent les lunettes, mon gars, parce que là, c'est du bois. Les lunettes? Yo, Sammy Exclusive. Sammy Exclusive, shout out. Montreal, that's it, encore mieux. Yo, nous autres, on est ici pour promote les business locales de toutes sortes. On veut vraiment que tout le monde qui a une business ici, on les connaisse, on sache qu'est-ce qu'ils font. Puis on va aller toutes collectivement, on va toutes monter. Check ça, shout out ton barbeur parce que la coupe est fraîche, mon gars. Yeah. Shout out le barbeur, thank you. Yo, Sacha Barbershop, 1808. Let's go. 1808. Yo, what's up? Parle-nous de toi, là. Mr. J Train. Moi, c'est comme ça que je te connais, mais pour les autres qui ne connaissent pas. I'm a trainer. OK. Je suis entraîneur de Montréal. J'entraîne la plupart du monde, la communauté. Il y a plein de monde qui est... Il y a plein de mes clients qui sont là. Moi, j'ai vu plein de monde que t'entraînes, là. Je suis comme, ce gars-là, il est partout, là. Il s'entraîne tous les jours. Moi, j'ai vu plein de monde avec des abdos puis des pipes ici, là. C'est à cause de toi? Non, j'ai un style très varié. J'ai un style très... le monde aime ce que je fais. Puis ça fait 7 ans que je fais ça. Puis ça marche. Mal. Yo, that's it. Fait qu'en ce moment, t'es-tu dans un gym ou t'es genre entraîneur genre dans plusieurs gyms? I got my gym. Oh! I got my gym. Drop the bass. You got your own gym. 6667 Montréal, Saint-Hubert. Il est fermé présentement, mais j'ouvre bientôt. Mal. OK, that's it. That's my cousin. Oh, that's yeah, bel garçon, mon gars. Bel garçon et Mr. J. Train. Oh, mon Dieu. That's la famille est ici. Yo, il faut que tu amènes ton cousin au gym, bro. Yo, lui est déjà là. Yo, gars, c'est qui fait le plus de push-up ici? Yo, c'est lui. Ah ouais? He's the boss. So, dis-nous, c'est où la passion de l'entraînement, du bien-être? Ça vient de où tout ça? Là? Yo, honnêtement, moi, c'était 400 livres. 400 livres? Oh, fait qu'il y a une histoire, une success story derrière. Ouais, il y a une histoire. Moi, c'était 400 livres. J'ai acheté un immobilier. J'ai acheté une maison. Tout ça, puis l'assureur m'a dit qu'il fallait que je perde du poids. No way. J'ai commencé par moi-même. Après ça, j'ai aidé les gens, puis ça a juste parti comme ça. Ah ouais? T'as voulu donner au suivant. Oui, absolument. If I can make it, you can do it. Too. Exactly. Puis le sentiment, il est nice en plus. Quand tu viens de perdre genre à peu près genre ça là, de ton corps, là, tu te sens bien. I mean, at the end of the day, I mean, if you're able to repeat the story, I'm able to repeat it, I'm able to tell it. J'ai aidé les gens. Ça fait honnêtement depuis...
La P21, j'ai aidé 1000 personnes. 1000 personnes. Shit, 1000 personnes, hein? Ouais. 1000 people. Yo, have nice. Change exactly. Life, change exactly. Body, man. Exactly. Tu sais, ce qui est nice ici, que je remarque de tous les invités qui viennent ici, c'est que tout le monde a un objectif d'aider la prochaine personne. Non, honnêtement, à la fin de la journée, il y a du monde qui m'a aidé à travers mon parcours, puis aujourd'hui, je me sens redevant. Ouais. Il faut donner. Puis c'est pareil comme nous, tu sais, nous autres, on a acquis vraiment une bonne base de connaissances, d'expérience. Puis on s'est dit, quand on a lancé le podcast, hey, si on peut partager cette information à d'autres personnes, éviter que tu fasses l'erreur que moi j'ai faite qui m'a coûté très cher. Mais si tu peux apprendre de ça, ben hey, nous on a réussi en transmettant notre message derrière. Honnêtement, il n'y a pas de livre pour être entrepreneur. Il n'y a pas de livre. Donc t'apprends à essayer, erreur, expérience. Tout ça, expérience, exactement. Puis moi j'ai fait beaucoup d'erreurs. Puis justement, aujourd'hui, je parle, je communique, j'échange. J'essaie de donner le message à tous les jeunes qui veulent apprendre parce que comme tu dis, il n'y a pas de livre pour entrepreneur. On apprend pour on veut être meilleur à la fin de la journée. Moi, j'ai une question pour toi. Ouais. Beaucoup de personnes essaient de perdre du poids. Yeah. Et après comme 2 semaines, ils arrêtent. Toi, tu es à 400 livres. Là, tu es loin du 400 livres. Là. Yeah, il y a des faits. C'était quoi la motivation derrière de dire comme next meal, I will come. I will the know. Next meal and the next training, I won't quit. No more McDonald's. You know what? I'll give you the secret. Yeah. La motivation n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est les résultats. Les résultats. Les résultats. Ah, les résultats, hein. Parce que, you know what, when I first lose the 50 pounds, quand j'ai perdu les 50 livres, j'ai cru aux 100 livres. That's everything is possible now. Exactly. Quand j'ai perdu les 50 livres, j'ai cru que tout est possible. So les beliefs. À la fin de la journée, moi, je ne vends pas les motivations. Motivation, c'est trop fluctuatif, ça fluctue. C'est ça, parce qu'une semaine oui, une semaine non. Exactement. Tu veux les résultats pour que ça moi, roule. Moi, je vois les résultats. Je vois la formule fonctionne. You know what? Again, I'm gonna tell it again. Ça fait 7 ans que je fais ça. J'ai perdu. Il y a 1000 personnes qui ont perdu 100 livres. Il y a 1000 personnes qui ont perdu 100 livres. Ça fait 7 ans, 1000 personnes qui ont perdu 100 livres. Ooh. You know what? La recette fonctionne. C'est ça que je vends. Je vends pas la motivation. Motivation, ça marche, ça marche, ça marche, ça fonctionne, ça arrête, ça monte. Mais quand ça fonctionne, quand tu vois perdre. Moi, là, je suis motivé à cause de la perte de poids. Aujourd'hui, là, tu vois Jay, I was 400 pounds. 400 pounds. Mal. And now? Later. You know what? 400 pounds later. 400 pounds later. Exactly. So, you know, I lost a lot of weight. You know what? That's what I believe. I don't believe because of the weight loss. I believe because of the journey. Puis, ça serait quoi le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un, là, en ce moment, qui est. Le conseil vraiment que toi, tu hold tight. Believe in the process. Believe in the process. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. La jour, hey, le parcours pour se rendre à ton objectif est beaucoup plus beau que l'objectif final. Exactement. Moi, j'aime ça, là. Exactement. J'ai toujours aux gens, comme, il faut que tu crois, il faut que tu crois au process. Dès que tu crois, à la fin de la journée, tu restes constant. Ouais. Constance. Puis tu te rends. Tout le monde se rend. Ouais. Tout le monde a son temps, mais tout le monde se rend. Là, j'ai une deuxième question pour toi. Yeah. Là, il y a eu COVID. Yeah. Il y a eu les bails, il y a eu des bails. Ton gym est en train d'ouvrir. Yeah. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu restes motivé? Yo, vis-y quelque chose. À la fin de la journée, les gens achètent les gens. People buy Jay. Hein? People that don't buy Jay, they don't buy Jay. But people buy Jay. C'est un brand. Le brand est nice. Yo, the brand is nice. The brand people is nice. People love the brand. People love the brand. I build on the brand. You know what? I build on the brand around people that believe in the product. You believe in the product, you believe in the brand, I'm with you. That's if you don't believe in the brand, you don't believe in the product, I'm not with you. Mal. Nice, Beck. First on, belief, preach. Bro. C'est important. The first thing, you have to believe. Hey, 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 podcast. Fait que comment on peut te reach Instagram? C'est quoi ton Instagram? Mr. J Train. Mr. J Train, baby. J Train Lifestyle, jtrain.ca. I'm around. I'm there. Yes, man. Thanks, man. D'être venu. Yo, un clip. Yo, respect. Guys, can I say respect to you guys? Thank yo, you. Doing thanks. Your thing. I appreciate it. Thank you for the time. I love it. Thanks, yo, man. Thanks. Appreciate. Thank you. On t'a envoyé de saison 2. On s'en vient. Thank you. Love it. Bonne invitation. Nice, respect. Thanks. Respect. Hey, what's up, guys? LC Podcast ici. On vient de finir avec Mr. J Train, Alexis Taco. Tu sais comment on va. On n'arrête pas. Qui d'autre on a ici comme invité, là? Hey! What's up? On a ici quelqu'un de super intéressant. Randall Dashington. What's up, people? Yo, comment ça va, man? Je suis sous, man. Yo, t'es dans le vibe en ce moment. T'entends? Moi, j'entends pas. Moi, j'entends. Il dit qu'il monte. Tu veux que je monte quoi? Attends, le gars, dis non, là. Personne n'entend?
Ça marche pas? Uh-huh. Moi, je t'entends. Moi, je vous entends. Moi, je vous entends. Tu entends bien. Yo, t'es dans le vibe en ce moment, là. Non, moi, je suis bon. Yo, je te fais, je fais le vibe. Ça coule en ce moment. Yo, on va faire couler ça. Yo, on a un comédien ici. Moi, en tout cas, là, tous les clips que je vois, j'écoute ça, puis yo, je suis pas à rire. Thank you, bro. Merci. Yo. Puis j'aime qu'est-ce que tu fais, le mouvement, puis je pense que t'as une... J'aime la voix que tu fais derrière, vraiment, tout qu'est-ce que tu fais. Dans le sens que t'es impliqué dans la communauté, mais à la fois aussi, tu mets une touche d'humour. Mm. Puis ça nous fait oublier vraiment que les choses sont à chier. Bro, moi, j'aime bien dire que je suis 50% substance, 50% ratchet. All day. I love the ratchetness. Non, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. On est tous ratchet. On est tous ratchet en vrai. C'est il seulement... faut. We Il y a hood. Des gens qui aiment ça. I don't even mean about that. Like, t'sais, tu veux-tu aller dans une ambiance où tout le monde est trop propre, trop classé, mal. Trop... C'est pas les cultures dans lesquelles, de manière générale, on a grandi. Tu vois, je veux dire, on aime les choses humaines, les choses easy, où on simple. Peut... Accessible. Tu vois? Et pour moi, c'est les extrêmes de ça, Ratchet, en fait. C'est que ta cousine qui a une histoire fucked up. Tu vois, je veux dire, les histoires qu'on a tous vécues. Ouais. Just, en passant, les lunettes sont fraîches, mon gars. Merci, frérot. Sont mal. Merci, frérot. Merci. So, regarde, moi, personnellement, je t'ai rencontré en ligne, sans que tu saches que je t'ai rencontré. Okay. So, dis-moi, c'était où que ça a commencé comme le voice dans le cloud, you know? Parce qu'on est rendu dans un espace où est-ce qu'il y a des voix qui commencent à sortir, puis toi, t'es une des voix qui est en train de se démarquer parmi toutes les autres. Et tu pèses lourd. Le monde t'entend, le monde commente, le monde te follow, quand t'es le monde là, like. Le monde t'écoute. Hey, listen, Comment ça a commencé? Honnêtement, j'ai commencé à faire des podcasts il y a 7 ans à peu près. Wow. Puis, ouais, à peu près, ça s'appelle Serial Killers avec Patrick, Loulou, Didi aujourd'hui, tout ça. Puis, moi, j'ai commencé parce que j'ai vu, à tout le monde en parle, Dead Obies, qui parlait de la culture new-yorkaise dans les années 80, puis il disait, tu sais, il y a des livres, tu sais, ou des vidéos, ou des plein de trucs aussi, tu veux digérer la culture des années 80 à New York, ça existe. Puis je me rendais compte que si au Québec, la manière qu'ils ont une manière de nous effacer, s'ils mettaient quelque chose dans l'eau puis que toutes les personnes avec trop de mélanine dans le corps devaient mourir, notre histoire, elle n'existe pas. Elle ne serait pas. It's done. Et j'ai commencé ce podcast-là en me disant, you know what, je le fais pour que, peu importe ce qui arrive dans le futur, que notre point de vue par rapport aux choses qui arrivent aujourd'hui soit documenté et soit là pour le reste des temps. That's how I started it, right? Après, I like funny shit, so... I love the funny shit. Puis je pense que c'est exactement ça qui fait en sorte que, tu vois, on peut s'amuser, on peut rire de qu'est-ce qui se passe. Oui. Puis moi, il y a un truc que j'aime ce que tu dis là-dedans, c'est comme... OK, c'est beau l'esclavage dans les livres d'histoire. Sans d'arcade, c'est beau, tu vas le dire. Mais il y a d'autres choses derrière. Il y a une culture derrière. Il y a des gens derrière. Il y a une richesse. On porte comme un peu... J'aime l'event de Annie Love, shout-out à Kenol, à Geek, tout ça. Parce qu'il y a une richesse derrière, tu vois. Il y a eu des rois, tu vois. Il y a eu de l'or, il y a eu de la richesse, il y a eu de l'amour, il y a une famille. Il n'y a pas juste l'esclavage qu'on raconte. Non, la réalité, c'est que... Tu sais, moi, je parlais tout à l'heure à quelqu'un, je disais, j'adore TikTok parce que je trouve TikTok a du contenu comme j'en ai jamais vu, en tout cas, si c'est ce que tu recherches. D'histoire, puis de tu sais, dans Black Lives Matter, c'est super important, mais moi, j'aime pas quand c'est centré autour de la finalité de la mort. Exact. Au sens où, pourquoi est-ce qu'on doit commencer à parler des choses seulement quand quelqu'un meurt? Ça, c'est la finalité de la chose. C'est vrai, ça. De dire que ça matter, ça veut dire que dans toutes les étapes avant, il y a un moment comme celui-là où est-ce que people of color, they get to feel safe, de se sentir bien, de chiller, de pouvoir être aussi extravagant qu'on veuille l'être sans que tu aies un blanc qui dit « Hey, c'est intéressant ce que tu portes là, là. » C'est juste un petit moment comme ça, matter la santé mentale, toutes ces choses-là. All this shit matters. So moi, aujourd'hui, quand je fais rire les gens ou j'essaie de rendre ordinaire le everyday, de rire des choses, it's just because, you know what? Oui, le militantisme, c'est important. Mais d'être bien dans notre peau, là où on est, de se sentir représenté dans notre culture, dans notre art. Parce que Montréal, c'est sa propre culture, guys. Montréal, mais oui, on est une culture en soi. Montréal, c'est un nouveau monde, bro. C'est comme, tu vois, le monde arrive. Moi, j'ai vécu dans mon quartier, tu vois. Moi, j'ai les vagues d'immigration. J'ai la vague mexicaine. Après ça, comme 2 ans plus tard. De quelle origine, toi? Guatémaltèque. Tu vois, j'ai grandi à Côte-Vertu. Yeah. Puis nous, on le vit. Parce que c'est comme bouche à oreille, OK? C'est genre, toi, t'arrives en avion, et là, t'as quelqu'un qui dit, yo, ton cousin habite telle rue, telle place, va là-bas.
Puis moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu les vagues d'avions. Ouais. C'était que des Asiatiques pendant 2 ans. Après, on a une vague d'Africains. Après, on a une... Ça existe à Montréal. Ça l'est. Il y a des avions de Guatémaltèques qui débarquent ici pour travailler dans les fermes. Mm. Ça se vit. Ça... Montréal, c'est un peu ça, tu vois le dire. Montréal, aux alentours, c'est ça. Yeah. Quand j'ai vécu à Paris il y a longtemps, les gens ils me disaient toujours, l'imaginaire que je me fais de Montréal, c'est que c'est un New York en français. Tu sais comment New York, c'est un melting pot avec des gens qui viennent de partout au monde, qui vivent bien généralement entre eux et tout ça. Si tu n'écoutes pas les nouvelles, en vrai, les gens de partout vivent super bien ensemble. Mais, je te promets. Puis en ce moment, toi, dans ta carrière, dans ce que tu es en train de faire, tu sais, je vois que tu commences en comédie. Tu vas-tu devenir un comédien? Tu vas-tu faire vraiment mettre vraiment ton branding de... Ah, ben moi, aujourd'hui, je suis un stand-up comic. Hier soir, je faisais mon one-man show. C'est mon premier one-man show. Ça fait 4 ans que je fais de l'humour maintenant. Yo, congrats. Wow, congrats. Et hier soir, c'était sold out. J'ai eu un standing ovation, bro. C'était un truc de fou, man. Moi, je suis dans aller te voir, là. Puis j'ai vu ça apparaître, mais je suis comme, tu sais quoi, je veux vraiment aller voir. Je veux commencer à voir les comédiens ici à Montréal. Y a-t-il un prochain qui s'en vient? Qui est comme le outfit au travers duquel j'évolue, qui est un peu pour donner une image. C'est un peu un Def Jam Comedy de Montréal. Mais vraiment, Montréal, c'est français, c'est anglais. Nice. C'est très empreint de toutes les cultures. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout, des Africains noirs, des Africains du Nord, des Européens, des Antillais. Il y a des gens partout, des Québécois. Fait que c'est vraiment cette idée de ma melting pot dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Bah, c'est vraiment Montréal, en fait. Une vibe. Fait que quand tu arrives au open mic, c'est ce que je m'imagine d'un vraiment cool club à Brooklyn. Mal. Puis c'est bon qu'on est en train qu'il y ait du monde qui sont prêts à lever cette culture-là. Parce que moi, j'aime ça, vraiment la comédie, les stand-up américains, j'adore ça. Mais viens, tu vas triper ta vie. Yo, c'est sûr que je suis là. Prochain événement, faut que le monde y sache. Écoute, Papa Sourire Open Mic, là, ça dépend quand est-ce que l'épisode va sortir, mais on est jusqu'au 12 août, tous les jeudis. C'est au Essence Lounge. Vous allez sur suivez le Bad Boys du Rire sur Instagram. Vous allez trouver. Oui, il faut acheter les billets parce qu'on est sold out. C'est combien les billets environ pour. C'est 12,50$ en prime. Yo, j'en achète pour tout le monde. 12,50$ en prime. Il s'est vendu, hein. Il va sold out. Yo, moi, je suis dans. Honnêtement, j'adore ça. Fait qu'en plus, c'est vraiment une soirée avec un restaurant ouvert, bar. You're gonna laugh, tu vas manger, tu vas bien manger, tu vas avoir du plaisir. Puis moi, j'ai mon prochain open mic le 16. Mon prochain one-man show, la présentation s'appelle Yo, les bails sont fucked up. Yo, les bails sont fucked up. J'ai vu ton segment bail que les blancs font. Juste là, c'est l'initiative Montréal. Yo, les bails sont fucked up. Fait que ça va être... La prochaine, c'est le 16 septembre. Yo, tu vas en France, ils disent Yo, les bails sont fucked up. Ils vont pas comprendre. Ils vont rien comprendre. Juste à Montréal. Mais dis-moi, tu faisais quoi avant? Je travaillais en musique. Je travaillais en télé juste avant. J'ai travaillé pendant longtemps, j'étais producteur gérant dans la musique. Mal. Nice, fait que la carrière suit, il y a une cohérence. Je suis aussi un des producteurs des Bad Boys du Rire. Nice. Fait que j'amène cette expérience-là que j'ai depuis longtemps dans ce projet-là. Et pour toi, c'est une manière de redonner? Définitivement. Il faut les voir. Parce qu'aujourd'hui, imagine qu'au travers de Bad Boys du Rire, la dernière fois qu'on a recensé, il y avait, je pense, 140 humoristes de couleur qui avaient joué chez nous. Wow. Puis, pas pour tous, mais dans beaucoup des cas. Hey, happy birthday, I'm lovely. pour beaucoup d'entre eux, je pense à un gars comme Uncle Phil qui, lui, il est très bon, c'est un gars qui joue avec nous. Mais ce gars-là, il a toujours voulu être humoriste, puis un jour, il est venu au Bad Boys pour venir voir ses amis. Il a enfin eu le déclic que c'était possible, en fait. Mal. Fait que, tu as rendu ça possible. Moi et l'équipe de Baboseur, effectivement. Il y a une porte ouverte. Bro, ça change les choses. Puis vous n'êtes pas venu encore, mais quand vous allez venir, je dis souvent pour... Tu sais, quand un immigrant, peu importe d'où il vient, mais un immigrant qui voit sa première tempête de neige, il avait toujours un concept de la neige. Mais la première fois que tu vois la neige, c'est pas important qu'elle lâche, t'es comme, oh my God. Yeah. Puis si t'es un amateur d'humour américain, comme moi, je le suis, ce que les clients des Bad Boys nous disent tous, c'est... Moi, je suis venu sans attendre. Puis tu sais quoi? C'est comme m'en aller à New York, mais j'étais à Montréal. Mais c'était en français. C'était montréalais, c'était anglais, c'était un peu tout ça. Voilà.
Hey, Renzel, j'apprécie. Plaisir, les gars. Yo, puis je t'ai envoyé une invitation. Tu viendras faire un tour au Yellow Sea Podcast. Avec plaisir. On va faire la session au complet. Mais nous, c'est sûr qu'on va débarquer parce que c'est ouais, ce genre d'humour là. Va nous voir là. Là, les gars, je suis. Yo, moi, j'aime ça l'humour. J'aime ça m'amuser. Je suis vraiment fort. On est là. Je suis là, vous m'avez à 40%. Yo, cheers. Et merci. Cheers, papi. Cheers. One love. Bad boys. Les bad boys du rire. Tous les jeudis. Tous les jeudis jusqu'au 12 août. Et sinon, on reprend le 15, le 16 septembre. Mal. That's what's up. Thanks. Thanks again, Renzel. All right, guys. Et on se voit. Yo, yo, yo. Amuse-toi. Les bails sont fucked up. Yo, les bails sont fucked up. Yo, les bails sont fucked up, mon gars, là. Ouais, ouais. On est parti, là. Est-ce que vous nous entendez? Oh, ouais, moi, je t'entends. Yo, Yellow Sea Podcast, baby. Je t'entends. Yeah. Yeah, baby. Vous m'entendez? Je t'entends très, très bien. Yeah, la production est on point. Mais... Moi, je lève ça. Moi, c'est quand même CP4, hein? Ouais. Alexandre Gagnon, CP4. Quand t'as commencé à décrire qui t'étais, je suis comme, ah, oh, shit. Le gars, il est en train de me grade en ce moment. Comme, yo, c'est comme ça. Comment elle roule votre production? Vous avez-tu fait ça, ça, ça? Puis je voyais les questions. Juste la première question, je suis comme, yo, toi, tu connais quelque chose plus que moi. Tantôt, je suis arrivé, j'ai dit, ton setup, est-ce que tel type de micro, le son, est-ce que tu coupes? Puis je vois ça, puis ça m'attire. Alex Lagagnard, c'est ce genre de gars-là. S'il arrive sur ton plateau de tournage, je commence à juger. Sacrément. Hey, je juge pas. Prends, je veux. Prends ton gaz égal, mon chum. Mais c'est parce que. Puis c'est là, je me suis fermé la gueule. Je suis comme, j'avais posé des questions. Apprends-moi quelque chose. Non, parce que des fois, tu veux aider les gens, mais peut-être les gens ils s'en foutent. Genre, est-ce que le conseil que tu vas donner est sollicité et nécessaire? Puis à un moment donné, bon, des fois tu le dis ou tu le dis pas. C'est ça. Mais regarde, les gars, je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui vous le connaissent pas. Ben, je sais que vous avez, on en a échangé un peu. Ouais, tu fais une story. Alex, c'est toi, ben, je vais faire une story pendant que tu le fais, ok? Ok, parfait. Go, vas-y, okay. Alex, tu commences. Moi, c'est Alex Lagagnère, je me brand comme un rassembleur. Je suis entrepreneur, je m'accompagne de production d'événements. Et je suis aussi créateur de contenu web, réalisateur. J'ai un espace en plein air qui s'appelle le Norbert, une maison ancestrale à Saint-Adèle où on reçoit des gens. Nice. Qu'on fait des événements privés dans la cour arrière avec une projection lumineuse incroyable. Je connais Gaël d'événements. Je pense qu'on n'a jamais travaillé ensemble officiellement. En fait, t'es venu voir au Beach Club. C'est ça qui est arrivé. Oui, j'ai fait un vlog. Ouais. Il y a comme 5-6 ans, je sais pas. J'ai appelé Gaël, on se connaissait à peine. Je lui disais, hey, je veux faire un vlog sur les dessous du Beach Club. Il dit, viens-t'en. Ouais. J'ai choisi ma date. Il m'a accueilli comme un roi dans les loges, dans le VIP du Beach Club. J'ai compris c'était quoi le Beach Club amenait comme dans l'esprit de famille. Alex Lagagnère, c'est le gars le plus curieux que je connaisse. En attends fait. Un peu. Ben, j'ai remarqué c'est ça. Curieux début. Comment? Ben, il est bicurieux, c'est une autre histoire. Toi, on parle de sexe, mais on va en parler plus tard. Mais, ouais. Non, mais... Il est curieux les deux bords. mais Alexandre Lagagnère, c'est ce gars-là. C'est un gars qui a le cœur sur la main, qui est généreux et qui est curieux. Et être curieux, ça peut paraître genre ridicule, mais c'est la plus belle chose que tu peux avoir dans la vie. Le c'est la plus belle qualité, en fait. T'as une conversation quand quelqu'un? Je parle, ferme ta gueule. Ouais, quand tu parles, on dirait ma mère. C'est un bon gars. C'est pas encore. C'est pas encore. Je l'encourage. Ok. Mais je peux toi, Gaël. Moi. Qu'est-ce que. Non, j'ai quoi ton présentation de Gaël? Ouais, vas-y. Vu que tu l'as introduit, vas-y, toi. Ce que j'aime de Gaël, c'est que c'est rare de voir des gens autant assumés. Il va arriver dans une place, il va parler à tout le monde, puis rapidement, il y a tellement des connexions dans le milieu artistique, mais c'est pas. C'est ultra authentique. Tout le monde a l'impression d'être son meilleur ami. Il arrive à quelque part, il te fait découvrir sa passion pour le vin orange, le vin bio ou le vin tout court. Puis il est énergique, il est créatif, c'est un gars de projet, c'est un entrepreneur. On a fait des podcasts. On a fait un podcast tout l'hiver ensemble sur Big Brother. Oui! Je l'aime beaucoup. Et il a surtout beaucoup de style. Aïe, merci. Tu peux compléter ta présentation. Vas-y, Gaël, continue ton merci, autobiographie. Merci, Alex. C'est la plus dure question à répondre, en fait, dans la vie. Parce que je viens pareil, tu es comme... Qui ouais, mais c'est parce qu'en même temps, c'est que tu fais tellement de choses. Est-ce que tu réponds la question basée comment toi tu te perçois, comment les personnes te perçoivent? Ouais, ben c'est ça, puis c'est drôle, hein? Souvent, à cette réponse-là, comme à cette question-là, on va répondre qu'est-ce qu'on fait dans la vie, tu sais. Mais en fait, on est plus que qu'est-ce qu'on fait dans la vie, plus que qu'on travaille. Exemple, je te rencontre toi, je te dis, hey, parle-moi de toi. Automatiquement, tu vas voir, puis même dans tes entrevues que tu as faites, les gens font, ah ben, je suis Maurice, ah, je suis. Non, mais oui. Tu travailles en humoriste, mais qui t'es comme personne, c'est une question c'est tellement une question tough en fait à répondre. Mais je pense que je suis quelqu'un qui aime. Tu penses que t'es quelqu'un aussi? Je pense que je suis quelqu'un qui aime. Je pense que je suis quelqu'un qui aime les gens. J'aime l'art, ça c'est clairement. Mais qui je suis comme personne? Le meilleur ami de tous. J'ai gagné ça au secondaire, tu sais.
secondaire 5, j'ai gagné le prix, le meilleur ami de tout le monde. Donc, je suis le meilleur ami de tout le monde. Moi, je suis le gars le plus populaire de l'école. Non, le meilleur ami, ça veut dire friend zone. Okay, friend zone, c'est tout. Oh, mais... Au primaire, en troisième année, j'ai gagné l'ami le plus serviable. Je m'en rappelle pas avoir gagné des prix comme ça au secondaire. Non. Moi, c'était au primaire, imagine. Ami le plus serviable. Ouais, moi, j'étais. Quand je suis arrivé, j'étais à Laval en 2002-2003. J'étais le latino de. T'étais le latino. Ça, c'était mon titre. Mais là, y'a-tu quelqu'un qui t'a parlé de ta chemise? C'est incroyable, by the way. Thanks. Cette chemise-là est magique. Le monde est bien hein. Habillé aujourd'hui. Puis, j'ai un match avec ma femme. C'est ta femme? Ouais. Elle est magnifique. Je l'ai vue tantôt, pour vrai. Puis t'inquiète, là, t'es dans le respect, gentleman. Mais elle est donc bien pétillante et rayonnante, ta femme. Bravo. Thanks, merci. Ouais. Ouais. Bravo. 7 ans. On a fêté. 7 ans. Vous êtes magnifique. Mais bébé. Elle check son sel. Elle a pas le temps de faire la question. Lui, c'est Alex Kenner. Alex, je te dis bonjour. Alex, je te dis bonjour. Big Boss. Salut. Lui, c'est le patron. Ouais, le patron. Bravo. Bravo, c'est lui, Alex. C'est lui qui... Alexandre Quenol, un entrepreneur de la communauté black, c'est important parce que ça amène des modèles, justement, des fois à la jeunesse, au futur, puis même aux gens présentement, des fois, qui peuvent faire comme « Hey, fuck, je peux... I can do something », genre. Alex Quenol, c'est quelqu'un qui est parti de rien et qui fait des événements qui sont incroyables. C'est le fun, la manière qu'il parle aussi. Il est articulé. Ouais. Tu sais, l'autre fois, il a animé dans un événement pour la Fondation Charles Bruno. Il a fait danser. Toi, t'organisais. J'organisais pas ça. Je gatherais avec ma compagnie, Rassembleur Production, dropping, name dropping. J'ai embauché Alex. Puis il a fait danser Pierre Bruno, le chef d'antenne de TVA Nouvelle. Pierre Bruno qui danse, là. Hey, man. Puis il a mon rêve. Mais tu penses que toi aussi, dans la culture afro-américaine, ou tu sais, de danser, de rassembler du monde. Ouais. On oublie qui on est, puis ici, on est. Regarde, si on voit. Pour tout le monde qui regarde derrière, en ce moment, c'est en train de danser, là. C'est nice, ton setup de podcast, c'est incroyable pour vous. Thanks, man. C'est la première fois qu'on fait ça comme ça, là, puis on vient de découvrir que chose de nouveau dans la game de podcast. C'est on the spot. C'est comme je dis à tout le monde. Hey, on est comme des UFC commentators. J'adore de l'événement. Ouais. Mais là, on commente une compétition de danse latine en arrière. On va devoir faire un tour. Party. Mais toi, tu fais du stand-up, tu fais la comédie. Moi, en fait, à la base, je suis animateur télé, radio et web. Ça, c'est ma formation. Mais non, pas du stand-up comédie encore. Mais c'est drôle que tu me dises ça pendant la pandémie, j'ai commencé à écrire. Ah ouais? Ouais. Genre des gags ou des histoires? Des gags et des histoires par rapport à moi, en fait. Mais tu sais écrire, et lire? Les deux. Tu vas lui péter la gueule, lui. Toi, t'es le seul blanc ici qui fait chier tout le monde, OK? Tu devrais être en arrière en train de faire la technique, OK? Ici, c'est Black Power. OK? Les deux blancs, là, c'est genre ça va battre. Ça les dit, Mais j'ai commencé, à écrire parce que l'humour, je regarde de l'humour depuis que on a besoin d'humour. Mais non, mais j'aime tellement ça. C'est tellement ça qui m'inspire dans toute ma vie, dans tout ce que je fais. J'ai des films de comédie, ça me fait du bien. L'humour, c'est ma plus belle drogue, en fait. Et j'avais trop peur de le faire parce que j'ai plein d'amis qui travaillent dans le milieu d'humour, en fait. Mes meilleurs amis sont en humour. Puis on dirait que par peur de comme, genre, ah non, je serais pas capable de le faire. Mais là, avec la pandémie, ça a tellement été fucked up tout ce qui s'est passé. Je vais être, tu sais quoi, fuck ce que le monde peut penser, vas-y. Puis ça fait longtemps que ça bouillonne en dedans de moi d'écrire. Et j'ai commencé à faire l'exercice et ça se passe bien, ça marche bien. Qu'est-ce que... Et vous allez pouvoir voir. Mais honnêtement, je sens ton énergie, là. En septembre? En septembre. Ah ouais? Je le dis à ton podcast, qu'on va trouver. Au show de la rentrée de V, de nouveau. Ah ouais? Je fais un roast à ma meilleure amie, Mariana Mazza. Et je le fais d'une manière incroyable. Calme, ben, est-ce que Mariana le sait? Ça va être le meilleur moment de ce show-là. Est-ce que Mariana le sait? Mariana le sait. Okay. Elle l'a vu hier, elle hurlait de rire. Et c'est un numéro que j'ai écrit. Regarde, mais c'est drôle que tu dis ça parce que, justement, Mariana, mais c'est une bonne amie de way back. Arrête, elle, connais? Elle est venue au, elle est venue au podcast. Elle est sérieux? Ouais, elle est venue au podcast. Puis ça a été un des podcasts les plus fous, là, parce que c'est Mariana, premièrement. Parce qu'elle criait! vous savez comment elle est, mais là, on l'a vraiment mis. J'ai de ta femme, elle est magnifique. Elle vient te voir. Vous êtes belle, vous êtes magnifique. Fait que c'est de là que je te reconnais. Est-ce que tu peux venir? Ouais, parce que j'ai déjà vu quelque part, puis c'est là, c'est vrai, je t'ai vu avec Mariana. Ouais. Fait que c'est là, tu sais, puis Mariana aussi, comme je te dis, elle est déjà venue ici, c'est une amie, c'est une bonne amie à moi. Fait qu'on est venu, puis... T'allais-tu à l'école avec elle? Non, c'est connu. Regarde, on a comment une histoire. Tu couches ensemble. Regarde, écoute le podcast, elle a sorti quelque chose. Non! Non! Wow! Arrête!
Yo, tu sais quoi? Yo, il faudrait que je l'invite, toi, puis... Je pense qu'on s'amuserait. Ça va être drôle. Yo, mais... Hey, guys, merci. On fait des rotations rapides, mais je veux... Yo, faut que vous veniez pour vraiment l'épisode officiel complet. Mais tu pour vrai ton podcast? Ouais, for sure, man. Allez, yo, c'est très... Ben moi, je me burn comme un rassembleur, puis ceux qui rassemblent, oui, c'est ça parle. Ceux qui rassemblent, ça rassemble. Yo, j'aime ton vibe. Ceux qui rassemblent, comme tu dis, toi, t'es pas sûr si le monde t'écoute, mais dès que dès que ton premier commentaire, je suis comme, il faut que je l'écoute. Je veux voir ce qu'il va dire. Lui, il y a une auberge à Saint-Sauveur. Non, zéro, c'est un espace événementiel à Sainte-Adèle, mais c'est bon, pas loin. Sainte-Adèle, et c'est un espace événementiel, c'est la plus belle auberge qu'il y a. C'est magnifique, c'est un monument. Le Norbert, en fait, c'est la première maison des Laurentides. En fait, tu sais quoi, avec ma compagne prod, c'est le fun de faire des trucs pour les autres, d'avoir un lieu où tu hostes les gens. Puis là, tu fais rouler tes contacts, dans la dernière année avec le COVID. Puis là, t'avais closé ton podcast. Tu parles encore un peu? Oui, OK. Moi, je me suis refait, comme je suis tombé dans l'événementiel en ce moment, dans la dernière année, les grosses compagnies ont dû mettre du monde à pied. Puis ceux qui étaient les plus petites compagnies, qui étaient flexibles, ont pu aller... On dirait que quelqu'un, un designer de tous les luminaires de Moment Factory, un gars qui s'appelle Eric Dion, c'est compagnie Electric Design. Le gars, il est venu dans ma cour au Norbert, il dit, on va faire un éclairage site. On était chez un fournisseur, Creative Lab, on a fait ça, puis... Lui me dit, dans l'événementiel, la dernière année, c'est comme si depuis 15 ans, les plus gros joueurs jouaient une game de risque. Les Evenco, les peu importe. Puis on dirait qu'avec la pandémie, on a remis toutes les pièces dans la boîte, on a brassé le jeu, on a ressorti ça. Puis là, j'ai fait des connexions dans la dernière année parce que les gens qui sont pris mur à mur, se promener partout dans le monde ou partout au Québec, font des shows, il y avait du temps libre. Ouais. Comme Ludivine, c'est comme ça. On a fait un show, j'ai fait un show dans un ciné-parc. Gaël est venu participer. C'est des relations que j'aurais pas faites si les gens avaient leur full. Ouais, tu vois, ce podcast-là, il est né à cause de la pandémie. Ah. J'ai perdu des clients, fait que, OK, j'ai du temps libre, qu'est-ce que je fais pour continuer à faire du contenu? On a fait un podcast. Le brand, regarde, on s'est pas cassé la tête. On n'est pas allé voir. C'est très cool pour vrai. Moi, je venais à son podcast pour vrai. Yo, moi, je vous invite, puis je suis. Ah, ça va, on s'amuser. On va bien s'amuser. Hey, mais guys, merci. Merci beaucoup. Merci Gaël, merci Alex. Au plaisir, ajoutez-moi sur Instagram. Gaël aussi, podcast, yes. Gaël Comtois, ton nom. Gaël Comtois. Pas de P. Sur Instagram. Pas de P. Je suis quand même pas laid. Non, t'es cute. Non, mais moi, j'ai tout le temps dit que Gaël avait une super belle face pour la radio. Moi, c'est Alex Lagagnère. Moi, c'est Alex Lagagnère. Je suis le souffre-douleur, puis c'est ça. Ouais. Peut-être de ça. Yes, sir. Alex Lagagnère. Il aussi, va mourir la semaine prochaine. Je vais m'occuper de lui. Nice. Hey, merci encore. Yo, ciao. Oh, yeah. Il aussi. Est-ce qu'on n'arrête pas ici, tu entends? Hola, que tal? Hola, hola. Yo, j'aime ta robe. J'aime les couleurs. Merci. Moi, ce que j'aime, c'est les boucles d'oreilles. Ah ouais. Les boucles d'oreilles, mais Aulan. Dis-moi ce que dis. Moi, ce que j'aime de cette culture-là, c'est que tu vois, il y a tellement de variétés, il y a tellement de diversité, pas que noir et blanc. Exactement. On peut amener n'importe quoi, puis ça fait tellement rayonner tout ce qu'on a autour. Absolument. Vas-y. Non, c'est une belle culture en pleine effervescence, qui n'est pas seulement une culture qu'on peut lire, qu'on peut goûter, mais on peut voir. Donc, c'est extraordinaire. Avec moi, je peux en plus la goûter avec les yeux. Là. Ah, oui, quand je vois des couleurs comme ça, comme ta robe, là, je goûte ça. Fait que présente-toi à Lindsay, right? Mon nom, c'est Lindsay Brun, de la compagnie Sucre Brun, et aussi de la compagnie En Aller. Sucre Brun, En Aller, baby! T'es deux compagnies. J'ai deux compagnies. Oh, la nice. Première, c'est femme entrepreneur. Sucre Brun, c'est une compagnie de gâteaux et de produits. Nice. Gourmand. Et En Aller, c'est une marque de vêtements inspirante. En Aller, en créole, ça veut dire let's go. Allons-y. Vamos. Donc, c'est une compagnie qui est inspirante. Donc, on vend des apparel, donc des vêtements et aussi des boucles d'oreilles. Zano. Zano en créole, ça veut dire boucle d'oreille. Donc, il y a aussi couronne. Donc, plein de belles choses. Mais là, c'est-tu en ligne ou c'est physique un magasin ou c'est comment ça fonctionne? C'est vraiment seulement en ligne. Mal. Et quelquefois, on a des pop-up. Donc, on a eu un pop-up dernièrement. On va en avoir un autre au mois de décembre pour le temps des fêtes. Est-ce que tu collabores avec Katia de l'espace urbain? Je dois la rencontrer parce que j'aimerais bien que mes boucles d'oreilles et mes produits... Exactement, je vois les liens. Nous, on fait le match. Nous, on a fait le lien ici. Nous, les Tinder Match Enterprise. Ouais, exact. Yo! Un match Tinder, exactement, c'est bon ça. Ouais, elle est en train de danser, puis elle aussi avait des boucles d'oreilles très spéciales. Exactement. En forme de Haïti. De Haïti. Super tribal africain. Donc c'est sûr, c'est un gros match à faire. Là. Non, exactement. C'est un match made in heaven. So, là, dis-moi, t'es en temps plein ou c'est un side hustle? Comment ça fonctionne?
c'est un side hustle temps plein. Tu t'en vas dans le temps plein, on dirait. Yes. Je fais aussi des émissions de télévision, donc je fais de la nourriture aussi en ligne. En ligne. Donc les gens vont pouvoir me voir à Moi je mange prochainement. Peut-être YouTube. Plein d'autres petites idées. Non, wow. C'est vraiment tout sur, sur mon Instagram qui est sucrebrun ou Zano. Sucrebrun, Instagram, go follow, partage, like. Eh bien, c'est nice, j'aime ça voir vraiment des personnes comme ça qui se lancent, qui osent, qui développent. Puis encore là, nous, notre principe de notre podcast, c'est pouvoir donner une voix à toutes ces personnes-là. Parce que parfois, on peut avoir le meilleur produit puis tout, mais si personne le sait, exact. Comment peut-on savoir qu'on a le meilleur? Mais je sais dans le fond que, tu sais, vraiment, tout le monde qui est ici a la qualité, quelque chose à offrir comme il faut. Puis je pense que, tu sais, regarde, Alex nous a donné une opportunité de venir ici. Ouais. Fait qu'on a un channel dans lequel on peut donner plus de voix. Exact. Puis si on peut donner plus de voix avec l'aide d'Alex, de Anne Lovely, de tout le monde qui est ici, comme... Ouais. Moi, je pense vraiment ce que vous faites, c'est extraordinaire. Avoir un podcast dans un happening, dans un day party, j'ai jamais vu ça. Donc, kudos pour vous. Vraiment, c'est une idée extraordinaire et j'espère que les gens... Prenez note. Ils vont prendre des notes. Yes. So, dis-nous d'où ça vient. D'où ça vient, sucrebrun? Cette passion de l'entrepreneuriat. Parce que nous, c'est beaucoup comme. Wow. Nous, on veut savoir comment les gens ils vivent une vie normale. Puis après ça, c'est comme fuck that. Moi, je veux d'autres choses. Mais tu sais quoi? Je pense que moi, c'est comme ça commence avec une passion de rendre les gens heureux à travers ma cuisine, à travers mes desserts. Je pense que c'est redondant. Là. Les gens, ils veulent donner, ils ne veulent pas arrêter de donner. Ouais. Le plus tu donnes, le plus ça va te revenir indirectement. Je pense que la base de l'entrepreneuriat, après avoir fait toutes ces entrevues-là, les gens, ils veulent donner. Ouais. Ils veulent partager. Honnêtement, c'est ça qu'on retient de tout le monde ici. Il faut être passionné, puis après ça... Tout vient avec, parce que quand t'as le feu, le fuego... El fuego! El fuego que quema! El fuego! Je pense que ça se transforme en business parce que tu veux tellement le partager avec autrui, avec d'autres personnes qui sont pas près de toi, qui sont dans ton cercle immédiat. Donc, tu veux transmettre cette passion-là. Donc, ça vient une entreprise, une business. Nice! Fait que c'est quoi ton site web? Mon site web, c'est sucrebrun.com. Sucrebrun.com. Et là-dessus, vous allez trouver en allée couronne. Instagram, t'as It's Sucrebrun pour tout ce qui est gâteaux et produits gourmands. Et t'as en allée 2020 pour tout ce qui est les vêtements, les boucles d'oreilles et tout ça. C'est quoi, finalement, juste dans la question, c'est quoi, admettons, ta meilleure spécialité à sucrerie, là? Ça que tu recommandes? Les gens adorent le gâteau Bailey's que je fais. Ah! Donc, je pourrais dire ça. Moi, je viens de me vendre. Goûté en passant. Pardon? Je te demande si je l'ai déjà goûté. Ah! Tu m'as-tu peint une bouteille de... Non, mais oui, ben, ça dépend. Il y a plusieurs décorations. Mais oui, je mets des petites bouteilles de Bailey's. Je vais te dire le client où j'ai goûté ça. Tu me diras si c'était un de tes clients. OK, go. Moi, j'ai une question pour toi. C'est qu'est-ce qui fait en sorte que tu sens que tu n'es pas comme les autres? Moi, je pourrais vous dire que mes saveurs sont vraiment recherchées. Tout le monde fait un gâteau au chocolat. C'est ça, l'affaire. Mais il n'y a pas un gâteau au chocolat comme Lindsay Brun. Il n'y a pas un gâteau à la vanille comme sucrebrun. Il n'y a pas un gâteau Bélise comme sucrebrun. Oh, nice. So, yo, la confiance est là. Comment dire en ligne? Je vais goûter ça, là. C'est ça. Il faut. Puis dis-moi, c'est quand que ça va devenir un 100%? C'est à quel moment que tu dirais comme... Je me présente. En septembre. Que je suis all-in. À la rentrée. Voici qui je suis. J'ai deux business qui roulent en temps plein. Moi, je peux vous dire, je peux pas tout révéler aujourd'hui. Mais vous allez me voir prochainement. À la télé. Oui. À la télé. T'as glissé un mot tantôt. Tu l'as dit, là. Donc, ça prend son envol et je suis extrêmement grateful pour ça. Donc, plus il y en a, plus vous allez me voir, plus... c'est ça, vous allez me voir. Yeah. On va te donner l'opportunité de faire des shout-outs. Donc, t'as le droit de remercier comme des personnes qui vont dire comme, « Yo, je suis là aujourd'hui, mais je suis pas arrivé tout seul. » Je vais remercier ma mère qui m'a donné le goût de faire les gâteaux. Ça, c'est premièrement. J'aimerais remercier une amie qui m'a fait trouver le nom Sucrebrun. C'est mon amie Patricia. Mais je vais vraiment... Comment le nom est venu, Sucrebrun? En fin de compte, j'ai une amie. Il faut le dire, là. Mon nom, c'est Lindsay Brun. Mon nom de famille, c'est Brun. Et j'ai une amie qui a dit, oh, tu devrais appeler ta compagnie Brown Sugar. J'ai dit, non, on est au Québec. Elle dit, Lindsay, ça va être Sucrebrun. Sucrebrun, c'est rendu comme ça. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vraiment prendre le temps aujourd'hui au Lovely Day de remercier Lovely. Lovely, quand j'ai gagné le concours Wall of Chefs,
sur Food Network Canada, Anne Lovely a fait un article sur moi sur le 24 heures. Elle m'a donné la première page et un full article à l'intérieur. Boom. Et ça, à cause de Anne Lovely, j'ai eu plein de podcasts, d'entrevues sur CIBL, sur Radio-Canada. J'ai été à Ça vaut le coup, l'épicerie, name it. Et à cause d'elle, j'ai un million d'opportunités qui arrivent, mais ça, c'est vraiment à cause d'Anne Lovely. Donc, Anne Lovely, aujourd'hui, je te donne tes fleurs. Merci beaucoup, je t'aime énormément. It's a lovely day to have a lovely day. Et c'est pour ça qu'on va te voir bientôt à la télé. Bien aussi, podcast. Hey, merci, Lindsay, ça a été un plaisir, genre, de goûter ton gâteau Bailey. Gâteau Bailey, on va goûter ça au Yellow Podcast. Je vous adore, les gars. Bang, thank you. Thank you, merci.